Voilà. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, les Oupéens. Bonsoir, les Oupéennes. Bonsoir, les internautes. Conseil communal de ce 21 avril. Il y a trois excusés. Madame Ellings, Monsieur Gay et Monsieur Rax. Voilà. Je vous rappelle que M. Jeas a déposé deux points supplémentaires par rapport à l'ordre du jour que nous avons initialement reçu. Donc ces deux points seront présentés à la fin de la séance, en fin de séance publique. Premier point, l'installation d'un nouveau conseiller communal. Suite à la démission de Mme la conseillère Carole de Batty le 21 mars dernier, il convient d'installer un nouveau conseiller communal. Mme Élodie Pédol, 9e suppléante, s'est désistée le 7 avril dernier. Dès lors, Mme Germaine de Haran, 10e suppléante, a été convoquée afin de siéger au Conseil communal dès ce 21 avril. Le Conseil aura donc bien décidé d'admettre à la prestation de serment constitutionnel Mme Germaine de Haran, dont les pouvoirs ont été vérifiés, et de prendre acte de la vérification des pouvoirs et de la prestation de serment, et déclare installée dans les fonctions de conseillère communale effective Mme Germaine de Haran. Elle occupera le 29e rang au tableau de préséance. Madame de Haran, vous êtes invitée à venir. Essayez de rester dans l'ordre de la caméra. Voilà. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Félicitations. Merci. Vous signez. Après, on se montre. Oui, après. On signera après les députés. Alors, quand un conseiller arrive, il y a généralement des désignations au niveau des représentations, des changements au niveau des rôles à prester et à remplir au niveau des différentes commissions ou au niveau d'autres endroits, là où les conseillers communaux doivent également siéger. Au niveau des commissions communales, suite à la désignation de Mme la conseillère Carole de Batty, il convient de la remplacer en tant que représentante aux commissions de M. Paul Hernoux, premier échevin, ainsi que de M. Guy Guckel, deuxième échevin. Le Conseil devra donc bien décider de désigner un nouveau représentant à ces commissions et d'arrêter le représentant aux commissions communales à partir de ce 21 avril, comme mentionné dans la délibée qui se trouve sur Plône. Changer. Alors, Madame de Haran reprend ce que Madame de Batty avait. Ok, c'est bien d'accord. Ok. Au niveau du conseil de police, là aussi, on a un remplacement d'un conseiller de police. Suite à la démission de Madame la conseillère Carole de Batty, il convient de la remplacer en tant que conseillère de police. Le conseil devra donc prendre acte de la démission de Madame de Batty, de constater que la condition d'éligibilité remplie par le candidat effectif proposé, qui se trouve être Elsa Fernandez, de constater que ce candidat proposé ne se trouve pas dans un des cas d'incompatibilité précisé à l'article 15 de la LPI. LPI qui veut dire la loi police intégrée. Et de proclamer Madame Elsa Fernandez, membre effectif au conseil de police. Voilà. Donc d'accord. Bravo Madame Fernandez. On peut l'applaudir. Hein. Toujours dans les remplacements, la représentation communale à l'Assemblée générale Ygretec, suite à la démission de Mme de Batty, il convient de la remplacer en tant que représentante à l'Assemblée générale de l'intercommunale Ygretec. Le Conseil va donc bien décider pour la durée de la législature de désigner un nouveau représentant qui sera Madame de Haran chez Ygretec. Merci. Voilà, vous aurez du travail. Remplacement d'administrateur ou CA du conformosan, suite à la démission de Madame de Batty,
Il convient de la remplacer en tant qu'administrateur au CA du Confort-Mauzan. Le Conseil va bien décider pour la durée de la législature de désigner un nouvel administrateur qui sera... Emmeline Weinen. Emmeline Weinen. Félicitations à elle. Il faudra donner ses coordonnées. Il faudra que vous donniez vos coordonnées à monsieur Blondeau. Ça va ? Si elle nous écoute, c'est encore mieux. Okay. Au niveau de la SBL Château d'Oupey, il y a remplacement aussi d'un représentant à l'Assemblée Générale. Là, ce n'est pas lié au départ de Madame de Batty. Le Conseil va donc bien décider de désigner Madame Van de Katzebeek en qualité de représentante du groupe Les Engagés à l'Assemblée Générale de la SBL Château suite au départ de Madame Rose Tehe. Voilà. Là aussi, on vous fournira les coordonnées s'il le faut. Nous en arrivons à d'autres points du Conseil communal. Le patrimoine communal. La ratification de la décision du Collège du 11 avril dernier relative au déclassement et à la cession à titre gratuit en urgence à la commune d'Aulne d'un module de deux classes avec sanitaire provenant de l'école communale d'Hermal-sous-Argenteau. Alors, il y a entre 15 et 20 ans, un module de deux classes avec sanitaire avait été acquis afin de dispenser les cours dans de meilleures conditions. Cependant, ce module n'a plus d'utilité maintenant que de nouvelles classes ont été construites. En juillet 2021, la commune d'Aulne a été victime d'une mini-tornade lors des inondations et leurs infrastructures scolaires ont été durement touchées. La commune d'Aulne a pris l'initiative de contacter notre administration pour lui faire part de ses besoins dans les plus brefs délais. Afin de préserver la sécurité des enfants, il convient de procéder à l'enlèvement du module durant les congés scolaires d'avril. Le collège, en séance du 11 avril, a donc pris la responsabilité de céder à titre gratuit le module à la commune d'Aulne. Cette cession évite par ailleurs d'engager des frais pour l'évacuation de ces modules et les frais d'enlèvement sont entièrement pris en charge par la commune d'Aulne. Le Conseil voudra donc bien décider de ratifier la décision du collège du 11 avril dernier. Cette décision avait été prise en urgence. Et donc de déclasser un module scolaire, cette décision était donc de déclasser un module scolaire à l'école d'Hermal-sous-Argenteau, sans utilité dans un état vétuste constitué d'un module de deux classes avec bloc sanitaire, et de céder ce module à titre gratuit à la commune d'Aulne par la nécessité d'aider une commune sinistrée. Enfin, le Conseil est invité à marquer son accord sur la convention de cession reprise dans la délibération. Avez-vous des remarques ou des questions concernant ce don à la commune d'Aulne ? Non ? Monsieur Léchevin ? Merci. Tout simplement pour vous signaler que j'ai eu au téléphone il y a quelques jours d'ici Léchevin en charge de l'enseignement de la commune d'Aulne, tout simplement qui nous remercie au nom des citoyens de la commune d'Aulne et du conseil communal de ce don qui leur permettra de pouvoir accélérer un peu mieux la réintégration des élèves dans des conditions, ça reste des modules, mais des conditions un peu plus acceptables que ce qu'ils vivent pour le moment. Ok. Passons donc au vote. Pour le groupe PS, oui. Le PTB, oui. Monsieur Jeuas, oui. Monsieur Bouzalga, c'est oui aussi. Le groupe engagé pour également. Monsieur Phaéton, c'est oui. Et les engagés, c'est oui également. Voilà. Merci. Point numéro 8 du patrimoine communal. Toujours la régularisation d'une occupation sans titre ni droit de la parcelle cadastrée Sion 5B, partie 6 rue des Alouettes à Hermé, approbation des modalités de la vente. Alors, M. D'Alessandro a introduit une demande d'urbanisme relative à la construction d'un garage sur un bien à 6 rue des Pinsons à Hermé. Dans le cadre de ce dossier, le service de l'urbanisme a constaté que l'emplacement devait être implanté où devait être implanté le garage, se situait dans le prolongement du bien appartenant au demandeur et sur lequel s'exerçait une occupation sans titre ni droit au profit de ce dernier.
M. D'Alessandro l'utilise de manière privative et souhaite maintenant l'acquérir en vue d'y construire un garage. Le plan de mesurage daté du 4 février dernier, établi par le bureau de géomètre expert Maréchal et Baudinet, rapporte une superficie de 101 m2,45. La commune n'a aucune utilité de ce morceau de terrain et le garder constituerait une zone d'entretien supplémentaire pour les services techniques. Il se situe en zone d'habitat à caractère rural. Les frais inhérents à la présente vente seront entièrement supportés par les acquéreurs. Le rapport d'estimation du bureau des notaires associés Godin et Denis, daté du 23 mars 2022, a fixé la valeur du terrain au montant de, en utilisant un prix de 27,50 € du mètre carré, soit un total de 2 789,88 €. Motif que le terrain est assimilable à un fonds de terrain, un fonds de jardin, et l'offre de M. D'Alessandro est de 3 000, soit un peu plus de 29 € du mètre carré. Le prix étant supérieur au prix de l'estimation du notaire, elle ne peut être considérée comme déraisonnable et ne préjudicie pas la commune d'Oupeye, elle peut donc être acceptée. La parcelle communale est occupée en partie par plusieurs riverains, mais pour l'instant, seul M. D'Alessandro a entamé des démarches pour régulariser sa situation en demandant à acquérir le morceau de terrain qu'il occupe. Dès lors, une partie seulement des frais d'expertise devront être réclamés au consort d'Alessandro Garnieri, pour un montant de 55 € TVA comprise, représentant un quart du montant de la facture. Le reste étant à répartir sur les autres riverains, dont la situation devra être, elle aussi, régularisée. Le Conseil est donc, ici, voudra donc bien décider d'aliéner, par vente de gré à gré, au consort d'Alessandro Garnieri, la parcelle communale en domaine privé et pré-cadastrée Sion 5B, numéro 48-2-Z6, d'une superficie mesurée, je l'ai dit tout à l'heure, de 101,45 m², reprise sous liseré vert au plan de mesurage daté du 4 février dernier. Ce mesurage avait été établi par le bureau de géomètre expert Maréchal et Baudinet. D'accepter à cet effet l'offre de prix formulée par les consorts d'Alessandro Garnieri au montant total de 3 000 €, soit 29,57 € du mètre carré. De porter à charge de l'acquéreur l'ensemble des frais inhérents à la présente transaction immobilière et de charger le service des recettes de procéder au recouvrement des frais d'expertise, soit pour un montant de 55 € TVA comprise. Avez-vous des remarques ou des questions concernant cette régularisation ? Non ? C'était bien présenté et bien clair, me semble-t-il. Passez donc. C'était extrêmement complet, Monsieur le Président. Merci à vous. Monsieur Tassé ? Oui. Monsieur Thion ? Oui. OK. Monsieur. Oui. 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 Merci à l'unanimité. Voilà. Le point suivant. Le point suivant. Un excédent de voirie, toujours dans le patrimoine communal, un excédent de voirie qui se trouve rue des Meunières, Le Romain. Une désaffection et une approbation des modalités de la vente. Le Conseil aura bien décidé de procéder consécutivement à la régularisation du tracé du ruisseau de Hamry, à la désaffection du domaine public d'un excédent de voirie qui se trouve rue des Meunières, Le Romain. Cet excédent a une superficie mesurée de 12 m² et quelques, tel que repris sous les liserés roses de mesurage d'une parcelle de terrain en nature de rétrocession daté du 27 septembre 2021, complété en date du 29 mars 2022, et établi par le même bureau de géomètre que tout à l'heure, le bureau de géomètre Maréchal et Baudinet. Le Conseil aura bien décidé d'aliéner par vente de gré à gré, sans mesure de publicité au profit de Mme Marquet, le dit excédent de voirie, 6 rue des Meuniers. D'accepter à cet effet l'offre de prix formulée par Mme Marquet, au montant total de 144 €, soit 12 € du mètre carré, et de porter à charge de l'acquéreur l'ensemble des frais inhérents à la présente transaction immobilière. Avez-vous des remarques ou des questions dans cette vente ? Non ? On peut passer au vote. Oui. Oui pour le PS. Oui pour le PTB. Monsieur Joas, c'est oui. Monsieur Bouzalga, c'est oui. Engagé pour, c'est oui. Monsieur Fetton, c'est oui. Et les engagés, c'est oui aussi. On reste dans notre patrimoine communal. Nous allons cette fois-ci plutôt échanger un terrain avec Soult en faveur de la commune dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme sollicitée par la SPRL Pure Home relatif à la construction de 7 maisons d'habitation
unifamiliale, rue Grand-Taz à Hermé, une désaffection d'un excédent de voirie et fixation des modalités d'échange de terrain. Le 13 novembre 2020, une demande de permis d'urbanisme a été introduite par la SPRL Pure Home, relative à un projet qui consiste en la construction de 7 maisons d'habitation unifamiliales ainsi que la construction de 3 pontons d'accès, l'aménagement d'un trottoir et la création d'une zone de croisement en voirie. Cette demande de permis vise l'urbanisation de parcelles situées rue Grand-Taz à Hermé. La demande de modification du domaine public est liée à la demande de permis d'urbanisme et permettrait à la création d'un trottoir d'une largeur d'1,50 m devant les parcelles concernées, ainsi que l'aménagement d'une zone de croisement en voirie, ce qui permettrait dès lors le cheminement aisé des usagers faibles le long de la rue Grand-Taz et d'y améliorer la mobilité des véhicules automobiles. Les parcelles cadastrées sont la propriété des consorts d'Euse. Ce projet nécessite un échange de terrain entre la commune d'Oupeye et les consorts d'Euse. D'après le plan de mesurage, la commune devrait céder aux consorts d'Euse un excédent de voirie d'une contenance cadastrale de 218 m², tandis que les consorts d'Euse lui rétrocéderaient 3 emprises à effectuer au domaine public à usage de voirie au sens du décret de voirie pour une contenance estimée à 25 m². La commune cède donc une valeur supérieure à celle qu'elle récupère. La compensation qui reviendra à la commune équivaut à la différence des valeurs des lots échangés. Le Conseil voudra donc bien décider de prendre connaissance du rapport d'estimation du bureau des notaires associés, Godin et Denis, fixant la valeur des biens échangés au montant de 67 € du mètre carré. Il voudra bien aussi décider de procéder à la désaffection du domaine public d'un excédent de voirie rue Grand-Taz à Hermé, d'une superficie cadastrale de 218 m². De marquer son accord sur l'échange de terrain de gré à gré avec les consorts d'Euse et la société Pure Home aux conditions suivantes. Différentes conditions. La première condition, la commune cédera un excédent de voirie pré-cadastré aux consorts d'Euse à incorporer au domaine privé d'une contenance cadastrale de 218 m² tel qu'elle reprit au plan tracé par le géomètre. Les consorts d'Euse, en contrepartie, céderont à la commune 3 emprises libres de tout acte de renonciation à l'accession en vue d'être intégrées au domaine public, telles que reprises au plan du géomètre expert Noël Léonard, daté du 31 mai de l'an dernier, pour une contenance totale de 25 m² au prix de 67 € du mètre carré. La soulte au profit de la commune d'Oupeye d'un montant de 13 040 € sera versée sur le compte communal. La société Pure Home sera partie à l'acte et libérera de la renonciation au droit d'accession dont ils font l'objet les terrains soit pré-cadastrés à céder à la commune d'Oupeye, et de porter à charge de ses acquéreurs l'ensemble des frais inhérents à la présente transaction immobilière. Donc, il y a des échanges. Vous avez signé le cartel complet. Oui. Ce que vous avez dit, monsieur le président. Tout à fait. Mais bon, voilà, il y a quelques mètres carrés trop peu et on comble avec des euros. Pour être de façon. Celui qui dira qu'il n'a rien compris, c'est qu'il n'a pas suivi. Oui, c'est pas à lire. Mais y a-t-il des remarques ou des questions? Personne? Non? Ok. Oui. C'est oui pour le PS, oui pour le PTB, oui pour M. Joas et M. Bouzalga, oui pour Engager pour. Je présume, sur tous les deux sur leur GSM, donc là, je ne sais pas. C'est oui ? Ok. Attention aux engagés, monsieur le président. Monsieur Felton, c'est oui. Et les engagés, c'est oui aussi. Alors, nous en arrivons à le projet transfrontalier la montagne Saint-Pierre entre Gers et Meuse. Une convention de soutien de la prolongation de la mission de mise en place d'une nouvelle collaboration transfrontalière sous l'égide de Regional Landscape Aspenhau and Fuhren. Oh yeah, Enzo Fuhren. Je sais lire, mais je comprends rien. Le Conseil voudra bien décider. Le Conseil voudra bien décider de marquer son accord de principe pour la poursuite de la mission de faisabilité visant à réactiver la coopération transfrontalière, permettant d'obtenir un accord global de participation des partenaires, en particulier néerlandais et flamands.
Cet accord permettrait le dépôt d'un projet de coopération transfrontalière qui permettrait à Upay de moderniser et d'intégrer l'entièreté de son réseau de promenades dans le maillage existant entre l'entre-Gérémeuse, de réaliser des chaînons manquants dans les réseaux cyclables et piétons afin de les rendre attractifs dans un large périmètre autour de l'attraction phare que serait la passerelle suspendue, de jouer un rôle plus central dans le réseau de promenades vélo et pédestres via notamment la réaffectation du site de Chertal et l'intégration des anciennes carrières. Dernière chose qui serait aussi bénéfique pour la commune d'Upay, c'est de rendre plus accessible aux promeneurs et de valoriser les atouts touristiques, paysagers et naturels dans la vallée de la Meuse, avec une connexion vers Herstal et l'agglomération liégeoise. Le Conseil est également invité à approuver la convention entre la SBL Regional Landskap Aspengrau and Wuren et la commune d'Upay intitulée « Convention concernant des études préliminaires et des négociations complémentaires visant la création d'un bureau de projet en vue de la préparation de la revalorisation du réseau de promenade Montagne-Saint-Pierre et de la création d'une structure transfrontalière permanente. » Enfin, de consacrer un montant de 33 070 euros, TVA comprise, pour la poursuite de la mission de faisabilité pour l'élaboration d'un nouveau projet de coopération transfrontalier. Voilà. Avez-vous des remarques ou des questions, Monsieur Jehas? Oui, nous vous écoutons. Je serai bref. D'une part, je me réjouis de cette actualisation, modernisation du réseau de 2002-2005, dont on dit que ça a été une réussite. Je me réjouis aussi que les subsides, qui finalement n'ont pas pu être concrétisés avec Liège Europe Métropole par rapport à la connexion cyclable vers la vallée du Gère, trouvent ici une nouvelle utilisation qui, j'espère, normalement aura même des retombées bien plus larges que simplement un seul tronçon cyclable. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, très bon projet. Et on peut espérer qu'au-delà de l'infrastructure, parce que ça a été un peu le cas aussi en 2002-2005, c'est un rayonnement international. Alors, soyons réalistes, soyons modestes, ce n'est pas à l'échelle de toute l'Europe, mais c'est quand même, on voit bien, ça a permis d'avoir pas mal de collaborations avec Maastricht, Eisden, Rimst. Et donc, c'est assez intéressant malgré tout, et on retrouve ici les bénéfices de cela. Et donc, personnellement, je trouve que c'est un très bon projet. Merci. Merci, M. Jehas. D'autres remarques? M. le bourgmestre, nous vous écoutons. Oui, je remercie M. Jehas pour ses remerciements par rapport à la qualité du projet. Effectivement, donc, tout ce qui est là aujourd'hui est un projet sur lequel nous allons nous investir. Et l'argent qui est investi aujourd'hui, consenti, sera rétrocédé de manière ou d'une autre à la commune d'Upay. Donc la commune d'Upay, effectivement, ne mettra pas plus d'argent que prévu par rapport à ça. Deux. Mais c'est vrai. Donc M. Jehas l'a dit, effectivement, nous avions un projet qui était promérité par rapport... Monsieur le conseiller, je suis désolé, j'entends un peu de rouage, donc j'interviens. Donc effectivement, la commune d'Upay nous avait un projet promérité par rapport à Liège Métropole et à notre commune voisine et amie de Bassenge, qui n'a pas pu aboutir. Et donc cet argent-là n'a pas été perdu, mais a été réinvesti ici sur ce projet. Donc je pense, avec M. le conseiller, que c'est extrêmement positif. Merci à vous. Merci M. le bourgmestre. Oui. Pouvons passer au vote. Pour le groupe PS, c'est oui. Le PTB, c'est oui. M. Jehas, je pense que ce sera oui. M. Bouzaga également. Engagé pour. Êtes-vous pour ou contre? Vous abstenez-vous? Vous approuvez? Ok. Monsieur Felton s'approuve aussi. Et les engagés, c'est oui également. Merci.
Les points suivants sont différents règlements complémentaires de circulation routière. Je vous propose peut-être, éventuellement de, afin de ce soit pas trop lourd. Avez-vous des points de, allez, je vais dire de 12 à 15. On va avancer par comme ça. Avez-vous des remarques ou des questions? Il y en a là, ok. Monsieur Jelas, pour lequel? Dites-moi un peu. En général, ok. Et vous? Pour différents, les différents points ? Moi, c'est sur le point 14. Ok, d'accord. Ben, allez-y, je vous écoute. Donc, ça concerne la, oui, le règlement de circulation routière pour l'instauration d'un ordre de priorité de passage rue Elvaux, avec un rétrécissement. Au niveau du rétrécissement, pardon, dans la rue Elvaux. Vous avez une question ? Oui, donc, vous expliquez qu'il y aura... une mesure que la commune allait mettre en place, une mesure alternative de réduction de la vitesse. On n'a pas vu laquelle c'était. On voulait avoir plus d'informations à ce niveau-là, s'il y avait déjà des projets à ce niveau ou bien alors si c'était en cours. Monsieur le bourgmestre ? Sinon, voilà, moi, on a juste cette question. Et voilà. Sinon, on approuve. Question technique, très technique, mais... Question voilà, politique. Donc, effectivement, ici, il s'agit uniquement de la suppression de Coussets berlinois. Donc, il y a un rétrécissement de voirie à ce moment-là, cet endroit qui est tout le monde voit. Et on propose de supprimer le Coussets berlinois, donc la dépression. Parce que dans les faits, effectivement, des citoyens qui habitent dans les environs ont des problèmes par rapport aux vibrations causées par ce coussin. Oui. Oui. Donc, ça, on a bien compris. C'est juste que vous parliez d'une mesure alternative. Est-ce qu'il y aura bien une mesure alternative de réduction de la vitesse, alors, dans ce cas ? S'il y a une suppression, alors... Tout à fait, au niveau des priorités, donc effectivement, on va prioriser les priorités. Je suis désolé, c'est un peu redondant, mais c'est comme ça. Et donc, dans les faits, effectivement, cette voirie va faire l'objet d'un traitement privilégié concernant aussi les modes doux à terme. Donc, la rue Elvaux, rue Quinette, rue Elvaux va faire l'objet d'un projet plus conséquent au niveau de notre commune. Ok, merci. Monsieur Jelas, vous aviez des considérations un peu plus générales sur tous les points qui concernent la circulation routière ? C'est ça, les règlements complémentaires de police qui ont principalement des objectifs de sécurité routière. Donc c'est pour ça que globalement j'interviens, parce qu'en commission communale, et monsieur le bourgmestre vient de le rappeler, il a été expliqué qu'en fait il y avait une volonté de globalement supprimer tous les coussins berlinois, donc ces petits casse-vitesse, et principalement parce qu'il y avait des rouspétances des riverains. Alors je veux dire, il y a 20 ans il n'y avait rien, puis il y a eu des casse-vitesse un peu sauvage, très violent. Bon, maintenant, tout ça est normalisé, et suivant la vitesse autorisée sur des voiries, 50 km/h ou 20 ou 30 km/h, eh bien, le plateau est plus ou moins élevé pour être efficace au niveau de ralentir la vitesse. Mais en même temps, ça doit être proportionné pour que la voiture qui vient dessus, même en roulant trop vite, ne fasse pas plus de dégâts que de gains de sécurité routière. Tout ça est normalisé. Après, ce sont des outils qui sont à la disposition des communes qui en font, entre guillemets, ce qu'elles veulent. Et donc, d'une part, on peut regretter d'investir et puis désinvestir, parce que tout ça coûte de l'argent, à la fois de les installer, enfin surtout de les installer, et puis de les supprimer après. Bon, soit. Et puis, c'est par rapport aux riverains... D'accord, mais donc il faut être sûr qu'on ne mette pas en balance les riverains, et normalement ce n'est pas des problèmes de vibration,
parce qu'ils sont aux normes, et jusqu'à preuve du contraire, il y a des garanties par rapport à ça. C'est donc plutôt par rapport à un bruit de ralentissement, de redémarrage, je n'en sais rien. Mais quelque part, l'objectif, que ce soit par un coussin berlinois ou par d'autres dispositifs, c'est quand même bien de modérer la vitesse. Donc il y aura toujours des ralentissements et peut-être que quelques sauvages vont réaccélérer derrière aussi. Et donc à un moment donné, il faudra mettre en balance ces inconvénients par rapport aux riverains et les objectifs de sécurité routière dont on a déjà parlé quand même à de nombreuses reprises ici autour de la table du Conseil communal et qui est un vrai gros problème. Pas que sur Oupeye, mais notamment sur Oupeye. Et donc, même s'il y a des alternatives proposées, ben, il faut être sûr que ces alternatives seront au moins aussi efficaces que celles des coussins berlinois. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ils étaient relativement efficaces. Et les rétrécissements ben, posent d'autres questions, des questions de priorité. Bon, ça, c'est pas encore trop grave, mais on le voit aussi des questions, des problèmes de stationnement. Parce que quand les voitures se stationnent en amont ou en aval, j'ai déjà intervenu sur le sujet de ces rétrécissements-là, ben, au lieu de simplement qu'il y a un dévoiement à hauteur du rétrécissement, on est obligé de le faire beaucoup plus loin en amont. Et donc, ça fait des problèmes de sécurité beaucoup plus importants. Ensuite, il a été, dans le cadre de Wallonie Cyclable, certains axes sont cyclables. Les rétrécissements qui sont là aujourd'hui posent des problèmes de sécurité entre cyclistes et voitures, puisque le cycliste passe de l'autre côté des potelets et pourrait se faire rattraper par la voiture qui dépasse. Et donc, d'autres aménagements sont prévus. Et donc, j'ai un petit peu peur, et là, je n'ai pas eu vraiment de réponse en commission communale, de savoir finalement quelle sera la solution finale. Ça rejoint un peu la question aussi de Madame la conseillère ici. Quelle sera la position finale? Et ici, on prend une mesure maintenant, alors que l'alternative, on ne la connaît pas encore complètement et elle va venir, dans le meilleur des cas, on nous annonce les cahiers des charges de travaux en juin pour les mettre en œuvre dans un an. Donc, bon, voilà, quelle est l'urgence de le faire maintenant plutôt que de le faire dans un an quand on aura vraiment la solution intégrée de réfection de la chaussée avec intégration des cyclistes. Bref, toute une série de questions qui restent un peu sans réponse aujourd'hui. Donc, moi, personnellement, je ne vais pas m'opposer à ces propositions qui sont là, mais je voudrais bien que les questions que je pose soient entendues et que, lorsque l'on refera des bilans en termes de sécurité routière, qu'on ne vienne pas nous dire « Ah oui, mais les rétrécissements, ça ne marche pas » et que, pour avoir fait plaisir à une pétition ou à l'un ou l'autre riverain, on ait supprimé des dispositifs qui, eux, fonctionnent. Monsieur le bourgmestre. Oui. Je remercie Monsieur le conseiller d'attirer notre attention sur le fait que toutes les pétitions ne sont pas toujours bonnes et qu'effectivement, on doit être attentif à ça. Donc effectivement, tout ce qui est envisagé ici est intégré dans une réflexion globale qui va rencontrer tout ce qui est dit ici par rapport au Piwassi, plan de Wallonie Cyclable, etc., etc. Donc on est bien dans ce débat-là. Mais je dois à la vérité dire que, effectivement, monsieur le conseiller, nous sommes soumis à des citoyens qui nous demandent des fois de zapper ou d'améliorer, on va dire améliorer. Comme ça, je suis positif, d'améliorer des dispositifs de réglementation, de régulation de la circulation. Et c'est très compliqué. On ne va pas se mentir. Il ne faut pas dire l'inverse. Mais ici, c'est un globalisme de réflexion globale. Et donc, je pense que monsieur X, qui est notre agent communal, qui est totalement dévoué, mais oui, à cette réflexion. On peut rigoler toujours, c'est toujours la même chose, quand on ne fait rien, c'est plus facile de se moquer que d'avancer avec des réflexions positives, mais et attentif à cette réflexion. Merci. Monsieur Jeas et puis Monsieur
Monsieur Braillard. Oui. En tout cas, en termes d'efficacité et de sécurité routière, parce que moi, c'est ce qui me préoccupe principalement et qui devrait nous préoccuper principalement tous ici autour de la table, je veux dire, le coussin berlinois, jusqu'à preuve du contraire, j'ai jamais entendu quelqu'un qui me disait que ça ne fonctionnait pas en termes de ralentissement de la vitesse. Et donc, je pense que les seuls inconvénients, c'est peut-être du ralentissement, freinage et du redémarrage, ce qu'on aura peut-être après, mais sinon, en termes d'efficacité, ça fonctionne. Donc, c'est ce que je dis, si on le supprime, il faut que ce soit pour quelque chose de au moins aussi efficace, parce que, comme M. le bourgmestre le dit, on peut toujours se remettre en question et améliorer les choses. Mais les améliorer, or ici, j'ai l'impression qu'on supprime quelque chose qui fonctionne pour quelque chose dont on n'est pas certain que ça fonctionnera. Et c'est là que ça me fait un peu peur. Je laisserai la... Monsieur Braillard va peut-être reprendre la parole, mais je pense que je rappelle que dernièrement, enfin il y a déjà un certain temps, mais on avait retiré les dodanes, je vais dire ça comme ça, rue d'Hermal. On a mis des coussins, voilà, les coussins on les a retirés. Effectivement, certains sont parfois toujours, pas toujours des plus normés, mais on les a retirés, on a mis des zones d'évitement. Et je pense que ça se passe bien. Le trafic est ralenti aussi à ce niveau-là. Donc je pense qu'il existe d'autres façons de faire que le coussin, comme vous l'aviez dit. Et là, je pense qu'on essaie de proposer ce genre de choses. Monsieur Braillard ? Oui, ce que je voulais dire, c'est que la majorité, voire l'entièreté des plaintes des riverains, c'est par rapport aux vibrations. Ce n'est pas les bruits, ce n'est pas ça qu'ils invoquent. Et même des façades qui s'abîment, qui se fissurent. Et d'ailleurs, quand ils interviennent, on leur dit ben, « faites intervenir votre assurance, on verra ». Mais c'est surtout ça qui dérange les riverains, on peut les comprendre, évidemment. De mémoire, rue d'Hermal, c'était déjà ce genre de plainte qui avait été faite, plus, je vais dire, des objets qui tombaient des camions plateaux et ce genre de choses aussi. Voilà. Monsieur Pack. Ben oui, j'aurais voulu intervenir et rebondir, c'est le cas de surtout le dire, rebondir. Sur l'intervention de M. Jehas, pour vivre sa rue du Château d'Eau, qui est une rue particulièrement bien équipée en coussins, et dans laquelle les vibrations provoquent des dégâts aux habitations. Et je voudrais dire qu'ils ne sont pas efficaces, ils le sont pour les voitures, mais que tous les camions, tous les tracteurs et tous les gros véhicules en général s'en fichent pas mal et ils roulent à tombeau ouvert au-dessus des coussins berlinois, ce qui provoque en plus et qui accélère les dégradations aux bâtiments. Et plusieurs riverains s'en sont plaints. Donc, ce système provoque des nuisances graves aux riverains et ne provoque pas l'effet souhaité qui est le ralentissement de la vitesse, si ce n'est pour les véhicules qui, en général, le font déjà, c'est-à-dire les véhicules lents, les voitures, qui ne sauraient pas passer à une vitesse excessive à cet endroit. Donc je pense qu'il faut effectivement s'orienter vers un nouveau mode de ralentisseur où ces coussins sont posés. Merci pour ces différentes remarques. Y en a-t-il encore d'autres ? Voilà. Alors, pour le point numéro 12, donc le règlement complémentaire de circulation routière pour l'implantation d'une zone d'évitement striée rue de Houtin, la hauteur du numéro 7 à Houtin-Saint-Siméon. Y a-t-il... Attends, non, on va faire autrement. D'abord, y a-t-il quelqu'un qui s'y oppose ? Un groupe qui s'y oppose ? Y a-t-il une abstention ? Y a-t-il... tout le monde, c'est d'accord. OK. Y a-t-il pour les points 13 une différence ? Je les lirai après, mais comme ça, on le sait. Le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21, le 22, le 23... 24, le 25, le 26, jusqu'au 26. Y a-t-il des votes différents ?
Je vais donc citer et relire les différents règlements complémentaires de circulation routière. Donc, il y en a un à Autun. Le point 13, c'était l'implantation d'une zone d'évitement striée rue Trou du Moulin à Vivnis, à la hauteur du numéro 13. Le numéro 14, on vient d'en discuter, c'est la rue Elvaux, c'est l'instauration d'un ordre de priorité de passage au niveau du rétrécissement central à l'entrée de l'agglomération Orle-Romain. Le point 14, c'était la limitation en tonnage du stationnement sur un tronçon de la rue d'Argenteau à Hermal-sous-Argenteau. Le 16, c'est l'adaptation des limites d'agglomération rue et rond-point des quatre chemins à Hermal-sous-Argenteau. Le 17, c'est le marquage d'un passage pour piétons rue des Anciens Combattants entre l'école de musique et la chapelle à Vivnis. Le 18, c'est le traçage d'une zone d'évitement striée au carrefour des rues Visévoix de l'Arp Saint-Roch à Oupey. Le 19, la suppression d'une place PMR rue Collard à Accourt. Le 20, c'est la création d'une place PMR rue Westphal au numéro 45-1 à Vivnis. Le 21, c'est la création d'une place PMR au lotissement Les Roses à hauteur du numéro 14-4 à Hermé. Le 22, c'est la création d'une place PMR avenue Libert-Froimont à Accourt, numéro 46. Également la création d'une place PMR rue Michel 31 à Accourt, c'est le tel 23. Le 24, la création d'une place PMR rue Fragné au 51 à Orle-Romain. Le point 25, c'est l'implantation d'une zone d'évitement striée à l'angle des rues de la Croix-Rouge et de Slin à Autun-Saint-Siméon. Et le point 26, c'est l'implantation de dispositifs ralentisseurs rue de Slin pour marquer l'entrée d'agglomération de Autun-Saint-Siméon. Voilà. OK. Nous en arrivons donc au point 27, une ordonnance de police en vue d'interdire les rassemblements de motards sur le territoire de la commune. Un point qui est déjà venu en son temps au sein du conseil communal. Donc, avez-vous des remarques ou des questions concernant cette ordonnance de police ? Non. Donc, le conseil voudra bien arrêter l'ordonnance de police en vue d'interdire les rassemblements de motards sur le territoire de la commune d'Oupey. Le point est passé, enfin, je vais dire, il y a eu des informations qui sont passées dans un journal dernièrement, mais grosso modo, il n'y a pas de changement par rapport à la dernière décision que nous avions prise. Non, mais si le point est passé dans la presse locale, c'est bien entendu de par la complexité de communication. C'est qu'effectivement, ce point a été abordé en collège de police. Mais notre zone de police recouvre 6 communes. Donc 6 communes, 6 collèges, fois 6 conseils. Donc effectivement, il n'est pas étonnant que nous ayons des bruits dans la presse locale. Donc je demande au conseiller de ne pas se vexer la chose. Et je leur demande de bien vouloir adopter cette ordonnance qui concerne l'activité du groupe motard. Vous aurez remarqué que, effectivement, depuis la fin de l'année, il n'y avait plus d'ordonnance. Donc, rappelez-vous, chaque fois, on revenait avec une ordonnance, ce qui avait engendré un vrai débat démocratique. On n'a toujours que des vrais débats démocratiques, allez-vous me dire, mais là, vraiment, c'était un vrai, parce que dès qu'on parle de liberté de réunion, etc., c'est quelque chose qui nous touche à cœur. Et ici, on n'a pas fait pendant plusieurs mois, parce que l'ordonnance précédente touchait à son échéance à la fin de l'année 2021. Et ici, on demande de reprendre une. Donc, clairement, on a eu un débat, un très large débat en commission cette semaine. Je vous demande de bien vouloir reprendre cette ordonnance, qui n'est pas facile, c'est vrai. On n'a pas reprise depuis 2 mois. On a fait un peu gap. Et maintenant, les éléments nous poussent à reprendre une. OK, voilà. Si vous voulez bien. Merci, M. le bourgmestre. Donc, on va passer au vote. Oui. Pour le groupe PS, c'est oui. Le PTB, c'est oui. M. Jeas, c'est oui.
Monsieur Bouzarga, c'est oui. Engagé pour, c'est oui. Monsieur Fetton, c'est oui. Et les engagés, c'est oui. Merci. Merci à vous. Point 28, l'autorisation d'ester en justice. Ça concerne la taxe sur les écrits publicitaires au niveau des exercices 2014 et 2015. Une requête d'appel contre le jugement du tribunal de première instance du 17 mai 2021, il y a presque un an. Le Conseil devra bien autoriser le Collège à interjeter appel contre le jugement rendu en date du 17 mai 2021, par lequel ce dernier déclare recevable et fondée la réclamation introduite par l'ASA Site Média contre l'enrôlement dont cette dernière a fait l'objet pour la taxe sur les écrits publicitaires au niveau des exercices, de l'exercice 2014 à concurrence de 98 736,75 € et pour l'exercice 2015, 37 673,37 € et de charger le Collège de l'exécution de la présente décision d'ester en justice. Y a-t-il des remarques ou des questions ? Pour le groupe PS, oui. Oui pour le PTB, oui pour M. Joas, M. Bouzalga aussi. Engagé pour, c'est oui. M. Fetton, c'est oui. Et les engagés, c'est oui également. Déclassement d'un véhicule Toyota RAV4 permanent, donc, ce qui veut donc dire qu'il est tout le temps en 4x4. Le véhicule RAV4 4x4 permanent, acheté en 1997, est en fin de vie. Pas le 4x4, le véhicule est en fin de vie. Celui-ci est intégralement amorti et il n'est plus rentable d'effectuer des travaux de maintenance sur le dit véhicule. Le Conseil voudra bien décider de procéder au déclassement du véhicule Toyota RAV4 et de l'évacuer en démolition, sauf si une offre au moins équivalente à la valeur du métal nous était adressée. Voilà. La valeur du métal, c'est pour 150 € si j'ai bonne mémoire. Voilà. Juste une question, il ne roule plus ? Non ? Mais non, c'est la question, parce que je veux dire, il existe parfois des associations du style club de football qui ont besoin de véhicules pour ne tirer, rouler le terrain. Donc voilà, plutôt que de prendre le véhicule personnel, voilà, quelque chose de ce style-là. Voilà, mais ça ne roule plus. Voilà. Ça tenait rapide, ça. Y a-t-il des questions, des remarques, mis à part la mienne ? Voilà. Non ? Alors, pour ce déclassement, c'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui, c'est oui. Monsieur Fetton, c'est oui aussi. Voilà, c'est oui. Merci. Vérification de l'encaisse communale. L'encaisse du directeur financier doit être vérifiée au moins une fois par trimestre de l'année civile. Et le procès-verbal doit être communiqué au Conseil communal. Le Conseil devra donc bien prendre acte du procès-verbal de vérification de l'encaisse communale effectué le 28 mars dernier. Le montant total des comptes de classe 5 s'élève à 26 716 115,53 €. Pas de remarques ou de questions ? Non ? Ok. On passe au point suivant. Ça concerne toujours les finances communales. L'emprunt numéro 17 d'un montant de... Donc ça concerne les emprunts communaux contractés auprès de la banque ING. L'emprunt numéro 17 d'un montant de 45 811,66 € a été contracté pour les travaux de construction d'un bâtiment de classe sanitaire et préau à l'école Jules Brouillard. Cet emprunt pourrait être réduit de 2 213,06 € suite aux décomptes intervenus dans les travaux et les subsides escomptés. Le Conseil communal est invité à rembourser ce montant anticipativement à la date du 2 décembre 2022, date de révision du taux. Dès lors, le Conseil devra bien également autoriser le directeur financier à solliciter auprès de la banque ING le remboursement anticipé du solde non utilisé de l'emprunt numéro 17, soit 2 213,06 € au moment de la révision du taux le 2 décembre prochain, afin que cette dernière n'occasionne aucun frais à la commune. Des remarques ou des questions ? Tout le monde est d'accord, ok. À l'unanimité, merci. Fabrique d'église Saint-Siméon de Houtin-Saint-Siméon, l'approbation du compte 2021. Le Conseil va bien décider de modifier l'article D6EO, 231 € au lieu 29 centimes, au lieu de 220,29 €. D'approuver le rapport du chef diocésain du 18 mars dernier. D'approuver le compte annuel de l'exercice 2021 de la fabrique d'église Saint-Siméon de Houtin-Saint-Siméon comme suit.
en recette 50 457 euros et 36 centimes, avec un subside ordinaire de 1 665 euros 88 centimes. Des dépenses pour 40 902 euros et 92 centimes, un boni de 9 554 euros 43 centimes et un fonds de réserve pour 31 838 euros et 65 centimes. Avez-vous des remarques, monsieur Rouffard? Nous vous écoutons. Connaissance du rapport de l'ecclésiastique, je veux encore bien, mais de là à prouver ces termes, ça m'étonne quand même. Il n'est pas forcément ecclésiastique. Hein. Le rapport diocésain, écoutez, c'est quelqu'un qui, en tout cas, échappe à la... C'est pas forcément un ecclésiastique. il est quand même là, voilà. Il est comment là? Il est quoi? Bon, et en tout état de cause, je ne vois pas pourquoi on doit approuver son rapport. Ah, voilà, là, jusque-là, je suis d'accord avec vous. Mais c'est ce que j'ai dit depuis le début. Non, un ecclésiastique. Vous voulez reprendre les termes? Mais et alors? Mais ce n'est pas forcément un ecclésiastique, c'est juste ce que je vous ai qu'est-ce dit. Qu'est-ce que ça change? C'est simplement ça. D'accord. Voilà. Un mot est un mot. Voilà. Oui. Et donc? Et donc, je ne souhaite pas approuver le rapport d'un ecclésiastique, fût-il laïque. Je vous entends, j'ai bien compris, moi, il n'y a pas de problème. C'est une prise de connaissance, on vérifie. Mais effectivement, tout le monde n'est pas ecclésiastique. Nous sommes d'accord, oui. Aussi. Vous non plus, je crois. Hein. Ce terme a une connotation importante. Je sais que vous aimez bien le vin d'église, mais de là... Hein. Il y a d'autres le Bordeaux. Donc, moyennant cette remarque, donc, nous préférons prendre... acte du rapport, ou prendre connaissance du rapport du chef diocésain du 18 mars dernier. Avez-vous d'autres remarques ou questions? Voilà. Nous vérifierons si effectivement nous devons l'approuver ou en prendre connaissance. Pour le OPS, oui. Abstention, oui. 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 Merci. Alors, l'approbation des comptes de la régie communale autonome sur l'exercice 2021. La RCA a augmenté son chiffre d'affaires par rapport à 2020. Cependant, elle n'est pas encore au chiffre de 2019. En effet, en 2021, elle a encore subi des impacts liés à la crise Covid-19. La cafétéria fermée, la limitation du nombre de nageurs par couloir ne sont que deux éléments, par exemple. L'exercice se clôture avec un total bilantaire de 5 664 591 euros et 98 centimes et un bénéfice de l'exercice 2021 pour 3 760 euros et 57 centimes. Le Conseil voudra donc bien décider d'arrêter ces comptes, le compte 2021 de la RCA, comme annexé avec les montants qui viennent de vous être lus. Y a-t-il des remarques ou des questions, Monsieur Joas? Donc, au-delà de ces déclarations, et même si dans un premier temps c'était le Covid, et puis maintenant les augmentations des coûts de l'énergie, en fait, non seulement les chiffres sont pas arrivés, n'ont pas retrouvé ceux de 2019, mais ils sont, en termes de chiffres d'affaires, ils sont toujours déficitaires. Et de ce que j'ai quand même compris en vérifiant les comptes et avec les explications que j'ai pu obtenir, c'est que la situation n'est pas bonne pour des raisons, on va dire, différentes. Et que, compte tenu de l'augmentation des prix d'énergie, elle ne risque pas forcément de se rétablir facilement. Et que donc se posent aussi des questions en termes de retrouver cet équilibre qui ne sera pas uniquement au niveau de l'activité, du niveau d'activité sportive à retrouver, mais que probablement il y aura des choix à faire en termes d'augmentation soit des prestations, donc des entrées de piscine par exemple, ou de location, soit d'intervention communale pour combler ce déficit. Mais donc, voilà, après deux exercices cumulés difficiles, les autres s'annoncent également difficiles et très probablement que ces comptes nous amèneront aussi à avoir des propositions via les prochains budgets qui seront les vôtres,
hein, les vôtres, je veux dire, au niveau de la majorité, mais que l'analyse de ces comptes permet aussi de déjà, d'annoncer déjà ces difficultés et des choix qui devront être opérés pour la suite. Merci, M. Jelas. M. Guquel. M. Deschevin, oui. Oui. Merci, Monsieur le Président, Monsieur Jelas. Donc ici, j'interviens en tant que représentant du collège au conseil d'administration de la RCA. Et effectivement, je ne peux que souscrire, non, mais comprendre votre remarque. Effectivement, les deux années que nous venons de vivre, même si des aides ont été, des aides diverses et variées ont été apportées aux différentes structures, hein, qu'elles soient, enfin, paracommunales pour faire ça, qu'elles soient RCA ou autres, la situation n'est pas idéale. Le conseil d'administration et le bureau de la RCA, bien entendu, en a, je vais dire, tout à fait pris conscience, et depuis déjà certains temps. C'est pour ça qu'il y a un travail de fond qui est fait sur l'utilisation la plus performante possible de notre bassin de natation, que ce soit au niveau de le travail du personnel, essayer qu'il soit le plus efficace et efficient possible. Aussi développer d'autres activités aquatiques que les activités traditionnelles qui ont leur importance. Donc il y a maintenant deux trois exemples, un module de jeu qui est ouvert à certaines heures le week-end. Il y a bien entendu les cours de natation. Il y a aussi des cours maintenant pour adultes qui souhaitent apprendre. Donc voilà quelques exemples qui prouvent que nous cherchons bien entendu à ce que l'équilibre financier soit atteint. Maintenant, Monsieur Jelas, vous le savez bien, comme moi, une piscine risque d'être toujours déficitaire. C'est un choix politique, hein, clairement. C'est un choix politique pour la population, pour les écoles, quel que soit le réseau. Donc c'est vraiment... Voilà, on est face à un choix, et clairement, si un jour nous voudrions avoir vraiment un équilibre financier à zéro pour une piscine, soit on la fermera quelques jours par semaine, ou soit on l'abandonnera. Voilà, c'est vraiment un choix politique, et qui n'est pas le choix de cette majorité ici, bien entendu, hein, qui est un choix passé, présent et je l'espère futur. Et c'est pour cela aussi que dans cette grande réflexion que l'on a par rapport à notre outil, il y a aussi de gros investissements qui sont faits, bien entendu, au niveau de l'utilisation calorifique de ce bâtiment, donc placement d'une nouvelle chaudière, ça c'était déjà à l'époque de mon collègue Christian Braillard, mise en place de panneaux photovoltaïques. Donc voilà, il y a vraiment une réflexion de fond qui est faite par rapport à ça, mais clairement, c'est un outil au service de la population qui coûte, qui a un certain prix. On essaye autant que faire se peut, ce n'est pas encore dans les objectifs d'augmenter l'entrée du bassin, mais ce sera peut-être un jour aussi une voie que nous devrons prendre si on veut garder cet outil ouvert sur notre commune. Donc, personnellement, je n'ai pas dit que j'étais contre le fait que ce soit déficitaire. Je crois qu'on l'a tous compris ici, on l'a tous toujours soutenu. Après, nous sommes sous plan de gestion, il y a un certain niveau de déficit. Il y a une certaine trajectoire budgétaire à avoir, tant par rapport à la commune que par rapport à ces structures paracommunales. Et c'est là que je dis que des informations que j'obtiens du compte en les ayant vérifiés, c'est que la trajectoire déficitaire qu'on assumait, on s'en écarte pour qu'elle devienne très, très déficitaire. Et donc, la question va se poser de savoir jusqu'où, quelle sera l'ampleur du déficit.
Et qui va le combler? Est-ce que ce sera une subvention complémentaire ou est-ce que ce sera en partie une intervention des usagers, des écoles, des clubs et autres? Et là, ça devient un choix politique et financier. Et je me prononce pas encore sur le sujet. D'abord, vous, en tant que majorité, c'est de votre responsabilité de venir avec des propositions. Simplement, ici, on approuve des comptes. Et moi, je dis qu'en les analysant, je viens aussi avec cette perspective de difficulté qui va amener à faire des choix. Et je ne suis pas contre que... Encore une fois, il faut bien se comprendre. Je n'ai pas dit que j'étais contre le déficit. Simplement, c'est l'ampleur du déficit qui, ici, dérape et va poser problème. Pierre Nou. Oui, M. Joas, on est bien d'accord. Mais ici, le compte est positif, déjà. Hein, c'est vrai. Oui, oui. Mais ici, donc maintenant, on attend de voir, on est en train de faire une étude globale, parce qu'il n'y a pas que la RCA, hein. Il y a le CPS, il y a la commune, et on sait que les frais énergétiques ont plus que triplé pour certains domaines. Donc on est en train maintenant de recevoir tout doucement toutes les régularisations qui doivent se faire. Donc on va additionner tout ça, voir ce qui va être possible de faire aussi à certains niveaux. Mais c'est vrai qu'il y a des choix qui vont devoir être faits à certains moments, mais on attend d'avoir tous les chiffres, puisque en plus de la régularisation, on n'est pas sans savoir qu'il y a les multiples index, hein, qui se multiplient pour cette année. Il y en aurait trois pour le moment, pour cette année. Donc si vous comptez ça pour le CPS, pour compter ça pour la commune, ça se chiffre aussi en centaines de milliers d'euros. Donc il y a tout ça qui intervient. Donc on attend d'avoir vraiment le compte qui nous donnera déjà une idée et une photo, ainsi que la modification budgétaire qui arriveront, que ce soit au mois de mai ou au mois de juin. Voilà. Voilà. D'autres éléments? Non. OK. Donc nous pouvons passer au vote des comptes de la RCA. Oui. OK. Pardon. Excusez-moi. Approbation des comptes, je dis bien, oui. Vous m'avez dit quoi? Ah, OK, d'accord, ça va. Oui. Donc, si certains s'abstiennent, moi, je me suis toujours prononcé par rapport à la véracité des comptes, puisqu'on les vérifie. Et c'est dans ce sens-là que moi, je dis oui aux comptes, parce qu'il me semble exact et correct. Ce qui... je ne me prononce pas encore sur les choix politiques. Tout à fait, mais c'est parce que pour le public qui nous entend, moi je préfère préciser plutôt la portée de mon vote. C'est oui sur la vérification, c'est bien l'objet de la décision. Je ne me prononce pas sur les orientations qui seront redébattues lors du budget. Monsieur Pack ? Oui. 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 Oui, merci. Alors, le point suivant concerne l'ouverture d'une classe maternelle à mi-temps à l'école d'Orle-Romain-Centre et à l'école d'Oupey. Les écoles d'Orle-Romain-Centre et d'Oupey ont atteint, pendant une période de 8 demi-jours répartis sur 8 journées, la norme supérieure permettant le subventionnement d'un emploi maternel supplémentaire à mi-temps au sein de ces deux écoles, et ce à partir du 21 mars dernier. Le conseil aura bien décidé de créer cet emploi maternel supplémentaire à mi-temps et à Heurle-Romain et à Accour. Cet emploi est ouvert du 21 mars au 30 juin prochain. Des remarques ou des questions? Voilà. Oui. 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 Oui, merci pour les élèves et l'enseignement. Point suivant, l'engagement de la commune d'Oupey dans la démarche commune du commerce équitable. Alors, afin d'obtenir le label commune du commerce équitable, 6 critères sont à remplir. Critère au niveau de l'autorité communale. Le conseil communal vote la présente résolution en faveur du commerce équitable dans laquelle il signifie la participation de la commune à la campagne. Il engage l'administration communale à consommer au moins 2 produits du commerce équitable. Deuxième critère, les commerces et l'ORECA. Des commerces et établissements d'ORECA installés sur le territoire de la commune proposent au moins 2 produits du commerce équitable à leur clientèle. Troisième critère,
pour le label, pour obtenir le label. Entreprises, organisations et écoles, les entreprises, les institutions, les organisations, les associations et les écoles de la commune proposent des produits équitables de façon régulière à leurs travailleurs, à leur public ou à leurs élèves. Quatrième critère, la communication et la sensibilisation. La commune communique régulièrement auprès des médias locaux et via ses propres canaux sur sa participation à la campagne. Elle organise au moins une fois par an un événement, une action de sensibilisation sur le commerce équitable à destination du grand public. Cinquième critère, un comité de pilotage diversifié et représentatif des acteurs locaux est mis en place. Ce comité prend et coordonne les initiatives nécessaires pour l'avancement de la campagne. Et enfin, sixième critère pour obtenir ce label, commune du commerce équitable, la commune soutient une nouvelle initiative en faveur de la consommation de produits agricoles locaux et durables. Le Conseil voudra bien décider de l'inscription de la commune d'Oupey de façon participative et active dans la campagne commune du commerce équitable et de décider de la création d'une cellule restreinte du comité de pilotage qui sera constituée dans un premier temps et qui mettra une campagne plus large d'informations et de sensibilisation pour élargir ce comité. Ce comité de pilotage veillera à la mise en œuvre des six critères que je viens de citer en vue de l'obtention du titre honorifique « Commune du commerce équitable ». Avez-vous des remarques ou des questions concernant cette adhésion? On va dire ça comme ça. Non? Alors, pour l'OPS, c'est oui. Le PTB, c'est oui. Monsieur Jeas, c'est oui. Monsieur Bouzalga, c'est oui. Monsieur Pax, c'est oui. Monsieur Fétone, c'est oui. Et monsieur Antoine, c'est oui. Merci. Point 36 et point 37 concernent le PCS, plan communal stratégique. L'approbation des rapports financiers et rapports d'activité du PCS pour l'année 2021. Les rapports financiers 2021, article 20 inclus, ainsi que le rapport d'activité doivent être approuvés par le Conseil communal. Le Conseil voudra donc bien décider d'approuver ce soir, s'il le désire, les rapports financiers du PCS au niveau de l'année 2021, ici en comprenant l'article 20, et le rapport d'activité. Y a-t-il des remarques ou des questions? Pour le PS, c'est oui. Abstention pour le PTB. C'est oui pour M. Jeas. Oui pour M. Bouzalga. Oui pour M. Pack. M. Fayton, c'est oui. Et les engagés, c'est oui également. L'ajout et la suppression d'actions pour le PCS 2022. L'action 5401, intitulée « Activité régulière d'intégration collective au sein d'un quartier et renforcement d'un sentiment d'appartenance » du CPS doit être supprimée. En effet, elle n'a pu être mise en place comme souhaité à cause des mesures Covid de ces deux dernières années. Celle-ci est remplacée par l'action 2104 intitulée « Coaching individuel logement » aide à la recherche d'un logement, qui découle d'un besoin pour le CPS au vu du nombre de demandes grandissantes de la population. Le Collège communal a également souhaité développer l'action 6102, intitulée « Mise en place et ou animation du Conseil participatif au sein de l'administration ». Le Conseil est donc amené à décider d'approuver la suppression de l'action 5401 du CPS, d'approuver l'ajout de l'action 2104 du CPS, ainsi que l'action 6102 de l'administration pour le PCS 2022-2025. Avez-vous des remarques ou des questions concernant ces ajustements du PCS 2022-2025 ? Pour le PS, oui, le PTB, c'est oui aussi. Monsieur Jeas, c'est oui. Monsieur Bouzalga, c'est oui. Engagé pour, c'est oui. Monsieur Fayton, c'est oui. Et les engagés, c'est oui aussi. Point 38, ça concerne un règlement de pêche. Il est nécessaire de mettre à jour le règlement de pêche actuel pour répondre aux besoins des pêcheurs et de l'intérêt général de préservation de la nature. Les modifications majeures du règlement de pêche sont, premièrement, une simplification et une clarification du règlement qui aidera à sa compréhension et à son application. Et cette simplification et cette clarification résultent de trois points. La réduction du nombre de règles, mais les règles sont plus détaillées pour éviter les interprétations. Un no-kill maintenu, sauf pour l'écrevisse signal, qui est invasive.
et un règlement d'ordre intérieur relatif à la pêche à respecter. Ça, c'est la première modification majeure. Deuxième modification majeure, une séparation des trois règlements, à savoir le règlement de pêche de la gravière, le règlement de police régulant l'accès à la gravière et la réglementation wallonne de la pêche. Ces trois règlements sont fusionnés dans le règlement de 2016. Dès lors, cela facilitait pas les éventuelles modifications. C'est pour ça qu'ils sont fusionnés. Et enfin, la troisième modification majeure, c'est le respect accru des utilisateurs entre eux et vis-à-vis de la faune et de la flore de la gravière. Le Conseil voudra donc bien décider d'approuver le nouveau règlement communal régissant la pêche dans les eaux de la gravière Broc comme annexé. Y a-t-il des remarques ou des questions concernant cette adaptation du règlement de pêche de la gravière Broc ? Non, voilà. Alors, c'est oui. Y a-t-il des remarques ? Non. Madame Le Cannes, c'est oui aussi. C'est oui pour M. Joas, oui pour M. Bouzalga. M. Fettons m'a déjà dit oui. M. Pac a l'air d'acquiescer. Oui. Et M. Antoine dit oui aussi. OK. Point suivant, la sécurisation électrique des écoles de Accour et de Hermeil, l'approbation des conditions et du mode de passation de marché. Les travaux ne peuvent pas être décrits avec précision en raison des aléas tels que la nécessité ou non de remplacer des câbles encastrés. Dès lors, les prestations consisteront en un travail de recherche au cours duquel l'adjudicataire sera chargé de procéder au remplacement des éléments défectueux ou obsolètes en fonction de ses découvertes. Le Conseil aura bien décidé d'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché sécurisation électrique des écoles à Accour et Hermeil. Le montant estimé de ce marché s'élève à 64 000 euros, 6% de TVA comprise. Et de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable. A-t-il des remarques ou des questions concernant ce marché de sécurisation ? Non ? Alors, oui ? Oui ? Monsieur Joas ? Oui, oui. Monsieur Bouzalia, c'est oui ? Oui ? Oui ? Oui, merci. Adhésion à une centrale de marché de l'AIDE ayant pour objet la conclusion d'un accord cadre pour la coordination en matière de sécurité et de santé en phase projet et en phase de réalisation des travaux d'assainissement de DIEC, d'égouttage et d'exploitation. Le Conseil aura bien décidé d'adhérer à l'accord cadre lancé par l'AIDE en vue de la coordination en matière de sécurité et de santé en phase projet. France Projet, et en phase réalisation des travaux d'assainissement de DIEC, d'égouttage et d'exploitation. Avez-vous des remarques ou des questions concernant ce point très technique ? Non ? Monsieur Tassé ? Oui. 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 Oui et oui. Oui. Oui, merci. Marché pour l'achat de photocopieurs, l'approbation en 4 tranches, l'approbation des conditions du mode de passation. Des photocopieurs montrent des signes d'obsolescence. Il serait opportun d'en acquérir au moins 4 afin de renouveler le parc communal. Le Conseil voudra bien décider d'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché achat de photocopieurs, marché à tranches, une ferme et 3 conditionnels, établi par les services. Le montant s'élève à 40 000 euros, 21% de TVA comprise. De passer le marché par procédure négociée sans publication préalable. Donc, ces achats de photocopieurs, y a-t-il quelqu'un qui s'abstient, qui s'oppose ? À l'unanimité, merci. Alors, avant de répondre aux questions orales, enfin, il y en avait peu de questions. Passer les questions, nous allons prendre les deux points que M. Joas a désiré ajouter à l'ordre du jour. Donc, le premier point concerne le soutien à l'éolien de notre commune. Et le second concerne l'extension des Haussards, la suite du dossier. Où en est-on ? Si je veux un peu, synthétiser la question. Voilà, je vous laisse concernant l'éolien sur notre commune, déjà développé, M. Joas, allez-y, je vous en prie. Merci, M. le Président.
Donc, en effet, j'ai souhaité inscrire ces points formellement plutôt qu'en question orale, parce que j'estime que ce n'est pas juste une question au collège. Et puis, je ne voulais pas le faire uniquement sur l'un ou l'autre point d'actualité, mais d'ouvrir le débat à l'ensemble de l'Assemblée, même si je ne viens pas ici avec une proposition de délibération, parce qu'en même temps, ça me semble peut-être prématuré d'aller prendre des décisions précises, formelles. Par contre, il me semble qu'il est temps d'avoir un certain nombre de débats, de discussions entre nous sur ces deux points. Celui de l'éolien, ben, oui, il y a enfin un dossier qui concerne le territoire communal d'Oupey. Je dis enfin parce que pendant, je ne sais pas moi, allez, je veux dire plus de 10 ans en tout cas, 15 ans peut-être, il y a eu des marques d'intérêt, mais pour diverses raisons, notamment les tours de contrôle et l'aviation au niveau de l'OTAN, il n'était pas question, il y avait un refus systématique par rapport au développement éolien sur notre territoire, malgré ses qualités, son intérêt au niveau du vent. Aujourd'hui, tout cela est levé et on voit bien que dans les communes voisines, ben, non seulement il y a eu des projets, mais ils sont déjà réalisés ou en cours de réalisation. Et donc, voilà, on a un premier projet ici sur Oupey et Juprel. Je ne veux pas me prononcer sur ce projet-là en particulier. Il est toujours à l'instruction. Et quelque part, il y a des législations qui encadrent les procédures. Et donc, ce n'est pas la peine d'aller prendre des positions tant qu'on n'a pas toutes les pièces du dossier. Par contre, mon intervention vise quand même à nous inviter à réfléchir pour voir si on veut se montrer au moins favorable. Alors, à ce projet-là ou à d'autres, mais en tout cas au développement éolien sur notre territoire, sachant que déjà de manière, ça fait déjà pas mal de temps que pour des raisons principalement climatiques et pour notamment s'écarter de notre dépendance énergétique aux énergies fossiles, eh bien les énergies renouvelables sont promues à l'échelle européenne, fédérale, wallonne, et donc à un moment donné, il faut que ça se décline sur l'ensemble du territoire, en ce compris chez nous. Et puis, on vient bien de le voir maintenant aussi avec la guerre en Ukraine et ses impacts socio-économiques au niveau de l'énergie et de l'augmentation générale des coûts de l'énergie et de notre dépendance aussi à des productions énergétiques sur lesquelles on n'a pas la maîtrise. Eh bien, ça nous met aussi en difficulté au niveau socio-économique. Et donc, dans les deux cas, je trouve qu'il est intéressant, et moi je propose au Conseil communal en tout cas, de se montrer, de donner un signal positif, comme l'a fait la Wallonie, comme l'a fait l'Europe, positif par rapport à ce type de projet sur notre territoire. Ça, c'est, je veux dire, le premier aspect de mon intervention, de mon invitation à ouvrir le débat. Et le deuxième, c'est sur l'aspect un peu dépendance. Et attention que même si l'éolien est une énergie localisée, elle peut très bien être dans des mains, dans des capitaux étrangers, et que même si c'est localisé, c'est pas pour autant qu'on en a la maîtrise économique ou sur les prix. Et donc, là aussi, à la fois, il y a un certain nombre de projets, notamment éoliens, où il y a des possibilités d'investissement public et ou participatif. J'entends aussi qu'il y a un décret, je ne sais pas à quel stade il en est maintenant, mais également de synergie de production locale pour avoir une forme d'autonomie à des échelles plus locales. Et donc, quel que soit le moyen, je trouve intéressant également de réfléchir à cet aspect-là, au-delà de l'accueil à des projets qui viendraient s'implanter sur notre territoire, de voir jusqu'où on pourrait réfléchir à nous-mêmes investir ou investir à côté de nos citoyens par rapport à des projets pour qu'ils aient aussi un ancrage non seulement territorial, mais aussi économique, local. Et donc, voilà un petit peu la manière dont je souhaite ouvrir le débat et poser la question, on dit souvent, c'est y répondre. Vous aurez compris que pour ma part, je trouve un intérêt à porter ces questions. Je n'ai pas la réponse précise, comme je le disais. Je ne dis pas si c'est ce projet-là ou un autre. Si on intervient dans des capitaux
via une structure tierce, une intercommunale, en lien avec nos citoyens ou autres. Je n'ai pas non plus la réponse. Pour l'instant, je suis au stade vraiment d'ouvrir le débat et de donner une forme d'orientation politique à ce type de dossier. Et si je le fais aussi en amont et en séance publique, c'est parce que j'entends évidemment que dans ces sujets-là aussi, c'est parfois polémique. Et je trouve que franchement, j'espère, je souhaite qu'on puisse dépasser ce genre de choses, parce que maintenant, clairement, on n'a plus trop le temps de débattre de sujets, je veux dire, hors propos, compte tenu des difficultés, des enjeux tant environnementaux, climatiques qu'économiques. Et donc, je trouve qu'à un moment donné, il faut pouvoir aussi sortir du bois et donner des signaux, que ce soit aux investisseurs ou à notre population. Merci, M. Joas. Merci aussi d'avoir amené ce point très intéressant, effectivement. Monsieur Simonet ? Oui. Ben, moi aussi, je suis heureux que ce débat arrive, parce que tôt ou tard, il se serait invité, et à court terme, à mon avis. Donc ici, monsieur Joas, vous avez posé deux questions. Moi, je vais répondre à la première, sur la position notamment du collège. Et puis, monsieur Arnoux répondra à la deuxième partie de la question. Voilà. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais dire que l'éolien, avant de donner l'avis du collège, l'éolien, ce n'est pas la seule recette miracle. Et je crois que vous l'avez dit dans l'analyse que vous avez faite par écrit. Il en existe bien d'autres. Et c'est la conjugaison de toutes ces petites recettes qui feront que nous aurons une énergie durable et indépendante. Mais ça, c'était important de le dire. Maintenant, j'arrive vraiment à la position du collège. Le collège est tout à fait favorable à l'installation, à l'implantation d'éoliennes sur notre territoire. Mais, le mais est important quand même, à condition que, qu'on respecte le cadre de vie, que le projet qui nous sera présenté, qui nous a été présenté, respecte le cadre de vie des citoyens et respecte également la biodiversité. Ça, c'est quelque chose d'important. Le service environnement s'est déjà penché sur le sujet. On en a déjà parlé en collège. Et je pense qu'il est nécessaire de mettre en avant les points positifs et les points négatifs d'éoliennes, et puis de faire le bilan de ce qui existe. Les nuisances, ben, ce sont les effets. Voilà. Merci. Les nuisances sont d'abord les effets d'ombre portée, c'est ce qu'on appelle l'effet stromboscopique. Mais vous savez que ce projet dont parlait Michel tout à l'heure, c'est un projet de 5 éoliennes, dont 3 sur Oupey, principalement du côté Hermé-Houtin, et 2 du côté de Juprel. Il y a eu une RIP, je crois que c'était le 21 décembre dernier, et lors de cette RIP, Engie, donc c'est un projet porté par Engie et par une deuxième société dont j'ai oublié le nom, qui est une société française, nous a dit qu'il était facile de régler ce problème stromboscopique en ajoutant un élément lors de la conception de l'éolienne. Donc cette première nuisance dont on parle beaucoup, ben je pense qu'on peut y remédier facilement. La deuxième nuisance que beaucoup de monde met en avant, c'est le bruit. Je me suis moi-même déplacé du côté de l'éolienne ici au SAR et honnêtement, je n'ai pas entendu beaucoup de bruit. La troisième nuisance, c'est, certains diront, la dégradation du cadre paysager. Certains diront aussi que leur bien pourrait... être déprécié. L'effet d'encerclement aussi, parce que quand plusieurs projets se mettent en route sans concertation,
on a parfois une impression d'encerclement. Mais moi, là, je m'adresse, c'est personnel. Je pense que toutes ces nuisances sont secondaires. Voilà. Là où j'aurais peut-être une petite réticence, c'est au niveau de la biodiversité. Parce que certains oiseaux, certaines chauves-souris ont parfois des problèmes avec les pales des éoliennes. Donc au niveau de la biodiversité, il pourrait y avoir des petits soucis, d'autant que notre région est assez réputée au niveau des chauves-souris, et je prends comme exemple la montagne Saint-Pierre. Donc voilà un petit peu les nuisances qu'on peut avoir. Maintenant, au niveau des intérêts du bien fondé hein, du projet des éoliennes, il y en a pas mal. C'est une énergie naturelle, renouvelable, durable, qui permet de contribuer aux objectifs de réduction du CO2, ne nécessite aucun carburant, ne crée pas de gaz à effet de serre, ne produit pas de déchets toxiques ou radioactifs. Elle garantit une sécurité d'approvisionnement, étant donné le gisement venteux inépuisable, une énergie particulièrement nécessaire dans un contexte de sortie du nucléaire, d'augmentation notamment du prix du gaz et de l'électricité. C'est une bonne rentabilité par rapport à l'espace réellement utilisé au sol. Et puis un avantage pour notre commune, c'est un avantage financier. Une éolienne rapporte par an et par mât entre 14 et 20 000 euros. Voilà. J'ai essayé d'être objectif avec les nuisances et les effets positifs de ces éoliennes. Michel disait tout à l'heure qu'il y a une réglementation stricte, et c'est vrai, on ne peut pas implanter des éoliennes n'importe où, n'importe comment, sans zone agricole, près des nœuds de communication comme les autoroutes, les chemins de fer, les voies navigables. Ça doit être à distance raisonnable des habitations. Distance raisonnable, ça veut dire quatre fois la hauteur du mât. Donc ici, dans les projets de Engie, c'est 150 mètres chaque éolienne, fois 4, donc ça fait à 600 mètres des habitations. Voilà. Et ça ne doit pas être non plus à moins de 200 mètres des lisières. Tout le monde comprendra pourquoi. Voilà. Donc, il reste un point. Donc, moi personnellement, il y a peu d'inconvénients par rapport à ces éoliennes. Il y a un point qui, moi, me dérange quand même. Ce n'est pas le projet en lui-même. C'est parfois l'attitude de la région wallonne qui dit « premier arrivé, premier servi ». Donc, il y a des projets qui arrivent, pas que chez nous, hein, partout, qui arrivent et qui ne sont pas coordonnés. C'est un peu anarchique. Et on n'arrive pas toujours au meilleur résultat. Donc voilà, j'ai terminé. Moi, pour résumer, le collège est tout à fait favorable à l'implantation des éoliennes, mais pas n'importe où et dans un respect du cadre de vie et de biodiversité. Il y avait un aspect, comme disait Monsieur Simonet, un aspect, je vais dire, volonté de s'inscrire dans le projet éolien ou non, et puis on a plutôt la dimension financière également. Et donc Monsieur Ernoux va un petit peu parler de cet aspect-là des choses aussi. Donc vous posiez, Monsieur Joas, la question, pouvons-nous investir avec les citoyens et les citoyennes qui le souhaitent? Il y a plusieurs possibilités à ce niveau-là. Soit on passe directement en accord avec l'installateur, soit alors nous passons via des coopératives, puisque nous avons eu des exemples de plusieurs communes ici en Wallonie qui se sont associées aux coopératives et avec les citoyens.
Donc, Monsieur le Bourgmestre avait reçu, il y a 3 semaines, 1 mois d'ici, un mail, puisque nous avions rencontré lors de la RIP plusieurs coopérateurs et coopératives qui étaient présentes lors de la RIP et qui avaient étalé évidemment tout le bien fondé de leur institution. Donc j'ai repris contact avec une, c'est SB Energy, encore ce matin, et nous les rencontrons au niveau de l'administration communale le lundi 2 mai. Donc je reviendrai vers vous. Je vais d'abord prendre tous les renseignements et voir dans quel cadre on pourrait éventuellement rentrer dans une coopérative avec eux, puisque c'est eux qui gèrent déjà une éolienne sur Juprel. Donc je vais un peu voir maintenant et voir quel est l'intérêt pour nous, la commune, d'y investir, parce que de toute façon, la commune devra investir un certain pourcentage dans l'éolienne qui nous sera dévolue, et voir quelle sera la participation aussi des riverains qui voudraient rentrer dans cette coopérative. Donc je reviendrai vers vous et vers le conseil communal quand j'aurai toutes les informations. Au prochain conseil communal, on peut refaire le point, puisque je rencontre avec M. Simonnet, on rencontre le 2 mai à l'administration communale à Cour les représentants, puisque apparemment ils sont associés avec les Vins de Liège également, SB Energy. Donc il fallait que toutes ces personnes soient présentes à ce moment-là. Donc je reviendrai vers vous quand j'aurai toutes les informations. Avant que M. Joas vous puissiez reprendre la parole, peut-être que quelqu'un autour de la table voulait un petit peu s'exprimer éventuellement. J'avais reçu le point comme tout le monde. M. Joas, nous écoutons. Oui, de fait, ce n'est pas forcément collège et moi, si vous voulez intervenir, à la limite, je le souhaite presque, mais chacun est libre d'intervenir ou pas. Enfin, je vais en tout cas rebondir un peu sur ce qui a été dit. Moi, franchement, il y a une chose qui m'inquiète, et sans tomber, je ne suis pas du genre catastrophiste, alarmiste, etc., mais franchement, je commence doucement à être gêné, à être en difficulté par rapport à un certain nombre de jeunes, dont les miens, mais j'imagine dont les vôtres, etc., par rapport au climat et au monde que leur laisse, quoi. Et je me sens quand même une forme de responsabilité, alors que ce soit, je ne dis pas ce projet-ci, je ne dis pas que l'éolien, de bouger d'une manière ou d'une autre, quoi. Et donc, j'entends les rappels, les avantages et les inconvénients rappelés par M. Léchevin. Alors, l'aspect du paysage, par exemple, qui est le plus subjectif, hein, chacun appréciera ou pas, voilà. Mais je me dis, mais non de non, il y a quand même beaucoup de mouchetés dans notre paysage. Hein. On peut tous prendre des exemples, que ce soit même des câbles aériens, des antennes GSM ou plein d'autres choses. Aujourd'hui, on s'émeut du démantèlement de Chertal. Hein. Bon, on ne peut pas dire qu'au départ, c'était le paysage le plus joli non plus, quoi. Enfin, je veux dire, tout ça est très, très subjectif. Et même, je vais dire, pour la biodiversité, quand je vois que les éoliennes viennent s'implanter dans des terres agricoles où ils poussent rien, à part les cultures maîtrisées à coups de pesticides et de semences bien maîtrisées. Bon, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire l'analyse, mais je veux dire qu'il faut mettre tout ça en balance et par rapport au temps qui passe, et malgré tout, à l'urgence de prendre des mesures, surtout qu'on sait bien que les mesures qu'on doit prendre, il faudra encore un certain délai avant qu'elles aient elles-mêmes leur propre impact. Donc j'entends et je suis même heureux qu'il y ait un certain intérêt, en tout cas de se pencher sur la... C'est ça que j'entends de la part du collège, c'est qu'il y a plutôt un intérêt positif à étudier les choses. Simplement, puisque je suis intervenu, j'y remets une petite couche quand même, en disant que pour moi, il faut remettre quand même les choses en balance et pas... Tout n'a pas la même valeur dans l'analyse. C'est un peu ce que je voulais dire, et qu'il y a une forme d'urgence à agir d'une manière ou d'une autre. Et si c'est pas ce dossier-ci, que ce soit un autre, et que le collège dise, ou le conseil communal, mais nous attendons d'autres promoteurs, et de fait, s'il y a un peu une guerre des promoteurs et des territoires, qu'on puisse leur dire, nous, on trouve que c'est intéressant sur tel plateau, et on est prêt à vous... Enfin, je veux dire, d'une manière ou d'une autre, mais qu'on bouge, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça mon message. Et par rapport à l'aspect financier, c'est vrai qu'il y a différentes formes. Moi, je dirais en tout cas que je ne connaissais pas les montants de recettes fiscales
qui sont là. Je veux dire, voilà, il y a des recettes fiscales. Il y a aussi le fait que nous-mêmes, on investit dans nos économies d'énergie. Et si on investit là-dedans, je ne sais pas dans quelle mesure, il y a un retour sur investissement également, en plus de l'aspect fiscal. Et j'ai envie de dire, il faut au minimum que ce soit nul. Je veux dire qu'on ne gagne pas de l'argent là-dessus, quoi. Mais plutôt qu'on soit en soutien au développement. Et alors, l'autre chose que je pense, c'est que, voilà, vous avez développé des budgets participatifs, vous avez fait des appels citoyens sur un certain nombre de projets. Moi, je pense que le crowdfunding est une forme de participation sur des projets citoyens et qu'un certain nombre pourrait s'y engager. Et vous avez, je ne savais pas qu'ils étaient associés à Vin-de-Liège. Je crois qu'on a une ou deux parts au niveau du conseil communal. On a soutenu, on va dire plus pour le geste, hein, mais bon, voilà. D'ailleurs, j'étais intervenu sur le sujet, déjà à l'époque. Et, mais on voit par contre le succès de Vin-de-Liège en termes d'investissement de coopérateurs. Et en matière d'énergie, je pense qu'on pourrait aussi l'avoir. En tout cas, il faut... En parlant de Vin-de-Liège qui avait souhaité installer une éolienne, c'était elle a été refusée, pardon. Monsieur Gelas doit vous donner la parole. Des vins de Liège, donc ils avaient souhaité installer une éolienne sur leur site. Et ça a été refusé par la région wallonne. Pourquoi ? Ben, au lieu de le mettre près de leurs installations, ils le mettaient près des habitations. C'était un peu une logique de leur part. Hein. On est pour l'éolienne, mais voilà, mettez-le sur votre propriété, le plus près possible du duché, par exemple, hein, et ne pas le mettre à côté des habitations. Ça a été refusé au niveau de la région wallonne parce que c'était trop près des habitations au niveau de l'Euromain. Si je peux continuer, je suis d'accord avec vous. De même que le ministre de l'aménagement du territoire vient de prendre une circulaire il n'y a pas si longtemps que ça pour refuser les champs de panneaux photovoltaïques dans des terres agricoles. Parce qu'un autre défi de notre société à relativement court terme, c'est aussi la rareté des terres agricoles qui doivent rester pour de la culture. Et donc aller faire des champs de panneaux photovoltaïques sur des terres qui ont une qualité agronomique et qui devrait servir plutôt à la culture que à ça, mais si le photovoltaïque est plus rentable, on serait aussi dans une société absurde. Donc je suis d'accord qu'il faut réfléchir. C'est pas parce qu'on est pour l'éolien qu'on doit accepter n'importe quel projet. C'est pas parce qu'on est pour le photo, etc., etc. Quoi. Pardon ? Un point à la fois. Cela étant dit. J'avais déjà suggéré il y a longtemps que notamment les éoliennes puissent se mettre dans les zones d'activité économique et notamment dans les zones tampons parce que je trouvais que ces zones tampons étaient un peu quelque part inutilisées et qu'il y avait un besoin en énergie de la part des entreprises et que c'était une possibilité de voilà. À cette époque-là, c'était pas possible. La législation a évolué, la volonté européenne wallonne a évolué, aujourd'hui c'est possible, tant mieux. Et alors je dirais aussi que par rapport à notre développement du territoire, puisqu'on devrait un jour relancer aussi l'évaluation et avoir un nouveau schéma de développement communal, c'est qu'à un moment donné, à force d'étendre aussi notre habitat un peu partout, eh bien on crée des conflits entre de l'habitat au milieu de terres agricoles ou trop près de zones qui peuvent servir à de l'éolien ou l'autre. Je veux dire, c'est à un moment donné, quand on a de l'habitat qui est relativement structuré, organisé, etc., eh bien, non seulement il y a la taille suffisante que pour faire vivre les commerces, la taille critique pour des services publics, pour des transports publics, etc., mais aussi on ne gaspille pas les terres je veux dire agricole, environnementale, terre verte, etc., qui par ailleurs peuvent alors développer leur pleine activité sans trop de conflits avec l'habitat. Donc il y a une logique dans le tout. Bon, je ne veux pas aller trop loin dans le débat malgré tout. Voilà, je ne sais pas si d'autres veulent intervenir, mais pour ma part, en tout cas, je suis satisfait de ce premier échange autour de cette question, sachant qu'on devra très probablement y revenir dans le cadre du dossier à l'instruction ou d'autres. Hein. Moi, je suis très ouvert sur le sujet. Mais je crois qu'il faut, vous l'avez souligné, en tout cas, il ne faut certainement pas croire que l'éolien, c'est un choix, par exemple, financier. Oui, ça,
comme vous l'avez dit, Monsieur Simonnier, ça ramène, entre guillemets, 20 000 euros. Ça pourrait ramener 20 000 euros. Ce n'est pas ça qui doit être le moteur du choix d'aller dans un projet éolien, par exemple, que ce soit éolien ou tout autre, naturellement. Dans le choix du RAP, ce n'est pas celui-là. C'est effectivement la volonté de changer la dynamique au niveau de l'impact environnemental. C'est surtout celui-là, parce qu'il ne faudrait pas que les citoyens qui nous écoutent de temps en temps, et le sentiment que la commune choisirait le financier, ce serait une des raisons qui pourrait motiver la commune à le faire, quoi. Parce que les raccourcis sont très vite faits aussi, naturellement, quoi. Voilà. Monsieur Scalet, prenez le micro. Je voulais dire, moi j'aime bien l'aspect multimodal de sa réflexion où tu as l'ensemble des choses. Il faut voir à longue vue et pas, comme tu as dit, à l'aspect financier. Donc il ne faut pas imaginer que la commune ne voit que la tirelire dans le truc. Mais moi je trouvais génial l'idée. Enfin bon, pour une fois, tu vois que je peux être différent, mais je trouvais vraiment l'aspect multimodal d'en faire parce que. Ah, mais je me réveille. Hein. Faites attention. Voilà, bon, c'est tout. Je n'irai pas plus loin parce que ce n'est peut-être pas le jour. Pour, mais voilà, c'est tout. Mais je voulais. Voilà, c'est tout. Merci, monsieur Scalet. Le second point, monsieur le bourgmestre l'a déjà un petit peu lancé, concerne l'extension des Haussards. Donc là, c'est plutôt où en est-on, où va-t-on ? Nous vous écoutons, monsieur Jeas. C'est vrai que là, c'est plus un état des lieux sur le dossier, mais il semblerait, encore une fois, on découvre les choses dans les médias, vous aussi, mais je dis on, hein, de manière générale, j'étais prudent en mettant en conditionnel, je ne pense pas qu'un arrêté ait confirmé les déclarations du ministre. Mais voilà, un conseil communal n'est pas aussi bien informé qu'un collège qui a accès directement à l'ensemble des pièces du dossier. Donc c'est pour ça que je posais malgré tout la question. Mais donc voilà, le ministre aurait déclaré que, interpellé à plusieurs reprises par la SPI, que finalement il dirait oui à la reconnaissance de zones qui permet donc d'avoir accès aux subsides pour les travaux et donc concrétiser le permis, puisque permis il y a maintenant, hein. Quoique il pourrait arriver à un moment donné à perdre sa validité s'il n'est pas mis en œuvre à un moment donné, mais aujourd'hui il est là, mais il faut que les travaux suivent, c'est un petit peu les inquiétudes de la SPI, on en a déjà discuté à plusieurs reprises, mais il semblerait que le ministre ait pris position en disant oui, mais pas tout. Et donc, voilà, on n'a qu'un article. Le pas tout, ça veut dire quoi, concrètement? Et c'est pour ça que je me permets de rappeler d'ailleurs le débat de 2016, où déjà à cette époque-là, moi j'avais dit déjà, proposé un amendement en disant allons-y progressivement pour ne pas gaspiller ces terrains-là. Et j'avais proposé déjà une partie des voiries et pas toutes. Je ne sais pas comment les choses sont envisagées au niveau du ministre par rapport à ça. Et puis, bon, maintenant, il y a un permis. Il y a un permis qui est un permis global. Et donc, si le ministre donne des moyens financiers pour faire une partie des travaux, je ne sais pas quelle est la validité du permis. Alors, je ne suis pas un expert juriste en la matière, mais je crois savoir que si vous demandez un permis pour une maison de 20 mètres sur 10 et que vous faites une maison de 10 mètres sur 10, parce que finalement, vous avez le permis pour plus, mais vous ne faites qu'une partie, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un permis généralement pour le tout. Donc déjà ça, je posais un peu une question de précision, on va dire juridique, par rapport à ça, c'est de savoir si le permis était toujours bien valide et si on pouvait avancer dans ce sens-là. Et puis après, évidemment, la question sur laquelle on est tous d'accord, mais si le ministre avance dans sa prise de position. Lui, en fait, avec la reconnaissance de zone, il active donc les 80% de prise en charge des travaux d'infrastructure et reste toujours ces fameux 20% à charge de la commune, ce à quoi nous ne sommes pas d'accord. Et donc, la crainte que j'ai en entendant ou en lisant les déclarations du ministre, c'est
au-delà de la mise en œuvre, comment, etc., sous quelle forme, c'est aussi, s'il active les 20%, ben, qui finance le reste, sachant qu'on n'est toujours pas d'accord, nous, des 20%. Et donc, c'est de savoir si, de ce côté-là, vous aviez aussi de l'information, une manière d'être rassuré ou autre chose. J'ai cru voir à vos têtes que vous découvriez les choses dans les médias et que donc, vous n'avez peut-être pas plus. Cela étant dit, j'invite quand même à faire un petit tour de table sur le sujet et de rester très vigilant avant qu'on ne décide à notre place de tout, quoi. Merci. Monsieur le bourgmestre, oui. Vous avez la parole. Donc, je parle sans note, non pas que le point ne mérite pas de note, c'est que je pense que ce point mérite beaucoup de franchise, et la question qui est posée avec franchise et transparence démocratique. Donc effectivement, et donc, vous l'avez découvert dans les médias, j'ai envie de vous dire, moi aussi, nous aussi. Donc effectivement, comment est-ce que les choses se sont passées? C'est que j'ai été un mercredi matin pour le premier coup de pelle à Chertal, et ce jour-là, monsieur le ministre s'est senti l'envie de parler à la presse, ce qui peut arriver. Des fois dans la vie, quand on a une envie, il ne faut pas toujours y succomber, mais il y en a qui y succombent. Et à parler à la presse. Ce jour-là, l'après-midi, effectivement, vers midi, le chef du cabinet de monsieur le ministre de la Région Wallonne m'a contacté en me disant, écoutez, monsieur le ministre s'est lâché et a parlé, ce que je vous dis est totalement vrai, a parlé de l'extension des Hussards, ce qui ne m'étonnait pas. Et donc, qu'a-t-il dit? Il a dit ce qu'il a dit dans la presse. Et c'est pas moi qui ai parlé. Mais oui. Mais non, je dis ça parce que dans les faits, et la question de M. Jouard s'est bien posée, Monsieur le conseiller bien posée, c'est que j'ai découvert aussi dans la presse qu'il avait dit. C'est pas grave. C'est chiant. Mais c'est comme ça. Et donc, suite à ce constat un peu désagréable, il y a eu une réunion à laquelle nous avons assisté avec monsieur le directeur général, en visioconférence, concernant ce projet. Et donc, quel est le projet? Quel est le point d'attention que vous avez bien posé, monsieur le conseiller? C'est quoi? D'une part, effectivement, sur l'extension des Hussards, il y a effectivement un permis de bâtir, on va dire ça comme ça, un permis d'urbanisme, qui est phasé, un permis phasé, une zone A, une zone B, A et B, je pense que c'est ça, trois zones. En trois zones, A, B, C. Voilà, donc il y a une zone, enfin, un phasage qui concerne plus concrètement la mobilité sur Herstal, qui est un très bon projet d'ailleurs, parce qu'effectivement, il y a un vrai problème de mobilité. Et puis, un phasage en deux zones, je dirais, sur l'extension des Hussards, 60 hectares, sur Roupey. Puisque, effectivement, l'extension des Hussards est exclusivement sur Roupey. C'est un gros problème. En termes de financement, et on y arrive. J'arrive sur votre question, et c'est ce qui a été dit dans la presse. Et donc là, effectivement, où intervient monsieur le ministre de la Région Wallonne, c'est que il doit reconnaître ce qu'on appelle une reconnaissance de zone, et cette reconnaissance de zone ouvre le droit au niveau de la Région Wallonne à l'obtention de subsides pour la SPI, hein, puisque c'est la SPI qui est l'opérateur économique, excusez-moi, qui ouvre le droit à une subvention de 85%. Donc on n'est pas à 20%, mais en fait, je pense que ça ne change plus grand-chose, tellement les chiffres sont énormes.
Donc, effectivement, ça ouvre le droit à la SPI d'obtenir 85% de X millions d'euros de subventions pour développer la zone des Houssards. Et consécutivement, ça implique que la commune d'Oupeigne doive payer 15% du reste. Je fais un schéma, mais c'est comme ça que c'est prévu. Où est le problème ? Où est la problématique ? Ce n'est pas encore un problème, quoique. Où est la problématique ? C'est que forcément, M. le ministre, on va pas dire son nom, mais c'est M. Borsu, donc dit dans la presse qu'il est tout à fait maintenant décidé à octroyer cette reconnaissance de zone, mais de manière... Comment est-ce que je vais dire ça ? Fragmenté, phasé. Et donc, on se retrouve face, effectivement, à une double problématique. C'est un, il y a un permis d'urbanisme déjà octroyé, qui court sur 5 ans. On arrive bientôt à l'extension, à la fin. On arrive à la fin de ce permis, qui est déjà phasé, et que M. le ministre, au nom du gouvernement wallon, dit que en plus, il veut octroyer des subsides, mais de manière phasée aussi. Donc, pour le dire autrement, et sans vouloir enfumer notre assemblée, que c'est vraiment pas, on se rend bien compte, le propos aujourd'hui, on se retrouve face à un double phasage. Un phasage urbanistique ABC. C'est comme ça que c'est libellé. Je me tourne vers Mme Lobardo qui connaît bien le dossier. Et un phasage, j'oserais pas dire ABC, mais un phasage au niveau de la région wallonne par rapport à la reconnaissance de zone qui doit ouvrir pour la SPI, puisque effectivement l'opérateur économique, vous le savez bien, est la SPI, qui doit ouvrir le droit pour la SPI de pouvoir exproprier des terrains, c'est bien ça, là où on en est, en fait, de pouvoir exproprier des terrains. C'est très compliqué. Très compliqué. Et donc, monsieur le conseiller communal, je vous remercie pour votre question, très sincèrement. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, et ne prenez pas mal, ni aucun membre du conseil communal, je n'ai plus pas d'informations à vous communiquer par rapport à ça. On a une réunion à laquelle a assisté avec moi monsieur le directeur général, qui, je pense, dit ce que j'ai dit, de manière très globale. Et à part ça, on n'a plus aucun élément. Et donc, je terminerai par ça, et ça va me rendre encore moins sympathique que je ne le suis, mais vous savez bien que je ne suis pas très sympathique. Quoique, c'est que la commune d'Oupeigne, et je l'ai réitéré, la commune d'Oupeigne, on a beaucoup de mal à payer. Je l'ai réitéré. Mon collègue faisant fonction de la commune d'Herstal a expliqué qu'on devait payer, parce que lui, il paye. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord. On n'est pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Vous non plus. Payer 8 ou 9 millions d'euros, clairement, pour la commune d'Oupeigne. Même pas. Et donc, on peut avoir tous les débats qu'on veut. Et on peut dire qu'on n'est pas des gens qui veulent le développement économique de la région wallonne, etc., etc. Pour la commune d'Oupeigne, payer 8 ou 9 millions d'euros, c'est imbuvable. C'est imbuvable, on le sait tous. Ouais, qui va dire ici autour de la table, maintenant, lever le doigt en disant « moi, je vais payer 8 ou 9 millions d'euros ». Personne. Est-ce que c'est un manque de considération pour le développement économique de la Wallonie ? On peut le prendre comme ça. Je ne pense pas. Nous, à Oupeigne, je pense qu'avec 8 ou 9 millions d'euros, on peut créer de l'emploi. Est-ce que c'est se renfrogner sur notre poteau-poteau oupeyen par rapport à ça ? Je ne pense pas.
Et donc, effectivement, je le dis encore une fois, et on l'a déjà écrit et dit à maintes reprises, je le réitère, le modèle économique de l'ASPI est un modèle obsolète. Faire payer à une commune aujourd'hui, et la commune nous paye, on n'a pas de chance en fait, c'est que l'extension totalement, les 60 hectares, ont lieu sur notre commune. Pas de chance. Un peu comme le croiseur russe là, qui se prend domicile, pas de chance. Il y a deux missiles qui passaient, ils sont tombés sur le croiseur russe. Eh oui, un peu comme ça. Mais le fait est que... Eh oui. Mais 9 millions d'euros, ça fait cher le croiseur. Et je pense que même si je prends le risque en tant que bourgmestre de me rendre inimical et de poser un débat qui pose problème, tant pis. Le fait est que je pense que pour une commune, quelle qu'elle soit, c'est tombé sur vous payer cette fois-ci, ça tombera peut-être sur d'autres par la suite. Devoir payer X% de financement pour le financement économique, je pense que c'est imbuvable. C'est tout. Et je pense que la Wallonie, si la Wallonie veut faire payer à ses communes, à ses citoyens locaux, le développement économique, je pense que ce n'est pas la bonne méthode. Ben je pense, on le pense tous, ici à vous payez. Et donc, clairement, en disant ça, on ne se passe d'amis. On peut l'avouer. On peut l'avouer parce que, dans les faits, c'est que sur Roupay, que des 60 hectares se développent. Mais on tiendra bon, on va se faire des amis qui ne nous aiment pas. On appelle ça des ennemis ou un adversaire. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Maintenant, s'il y a un conseiller qui dit qu'il veut bien payer 8 ou 9 millions d'euros, ben j'entends qu'il lève le doigt. Je pense que c'est une erreur monumentale. Merci, monsieur le bourgmestre. Oui. La position était claire, je pense. Ouais, était clair. Ouais. Monsieur Jehas. Donc, voilà, on a la même analyse, mais je voudrais même compléter l'argumentation. Je pense que cette législation de 80 et 20%, qui n'est pas celle de l'ASPI, c'est celle de la région Wallonne, a été faite à une époque où l'emploi était... C'est au niveau de l'ASPI ? OK. Mais en tout cas, ces décisions ont été prises à une époque où l'emploi était fort local. Et en plus, il y avait des recettes fiscales locales. La région Wallonne a empêché ces recettes fiscales locales, c'est-à-dire les taxes sur les industries. En gros, ben pour soutenir les industries, la région Wallonne a interdit ou quasi rendu à rien la possibilité fiscale pour les communes. Donc, ben non seulement ce n'est plus de l'emploi local, et maintenant on parle beaucoup plus de bassin d'emploi, on ne parle pas d'emploi d'Oupay, on parle de bassin d'emploi, donc plutôt à la taille de l'agglomération liégeoise, en gros. Et la fiscalité, on ne l'a plus. Donc, on reparle aussi progressivement de communautés urbaines ou autres, mais en tout cas, on se rend bien compte que les bassins de vie, les bassins d'emploi, c'est en gros à cette échelle-là que c'est pertinent, ou à l'échelle wallonne, si la Wallonie veut donner des impulsions de type économique, mais sûrement pas à l'échelle d'une commune. Donc, non seulement l'argent, on en a un peu, mais clairement, on l'a mis de côté pour la transition par rapport à notre plan de gestion, pas pour le claquer et se retrouver nous-mêmes en difficulté après. Et puis même, on l'aurait, c'est purement injuste. C'est injuste qu'une commune paye pour un bassin d'emploi. Et donc, c'est en ce sens-là que ça ne va pas. Et alors, au niveau de l'ASPI, ce qui est encore plus compliqué, c'est que leur modèle économique aussi, c'est que pour faire un équilibre financier, ben, la partie de services qu'ils produisent et qui leur apportent des recettes est largement insuffisante par rapport aux charges, notamment de personnel qu'ils ont. Et donc, c'est surtout complété par des ventes de terrain. Et leur difficulté à trouver un équilibre financier, c'est qu'ils doivent vendre des terrains pour boucler l'année. Enfin, ce n'est pas un an près, il y a des réserves. Mais en gros, c'est un modèle économique qui fonctionne sur la vente de terrain aussi. Et donc, c'est en ce sens-là qu'ils sont pris à leur propre piège. Je trouve que c'est une très belle intercommunale. Mais c'est le modèle économique dans lequel ils sont qui font qu'ils sont aussi, à un moment donné, coincés.
ce qui me poussait aussi d'ailleurs à éviter à une forme de prudence dans le phasage, parce que je ne voudrais pas qu'on vende trop facilement, parce qu'il y aura des besoins de trésorerie au niveau de l'intercommunale, mais si on vend, ça doit être une gestion parcimonieuse pour les besoins des entreprises et de l'emploi local, et non pas de gaspiller trop vite les choses. Donc c'est vrai qu'on voit bien qu'on est sur un ancien modèle, tant dans le mode de financement que dans le mode de financement des équipements que dans le mode de financement de l'intercommunale, et qu'on est un petit peu au milieu de tout ça, et je pense qu'on crée un vrai beau débat à l'échelle wallonne, et qu'on doit, on va dire, tenir bon. Et voilà, le conseil communal, sur la question de l'ouverture de voirie, on a eu des différences entre nous, on va dire plutôt en termes de phasage, mais pas en termes de refuser. Personne n'a refusé totalement l'extension des Haussards, hein, au niveau du permis. Donc ça, il faut peut-être le redire aussi, et à nos citoyens, parce qu'on n'est pas là pour jouer la girouette, et il faut le dire aussi aux autres pouvoirs publics, c'est qu'Oupey n'a pas refusé le principe de l'extension. Il y a une question de phasage et de bien utiliser les terrains, mais là où, par contre, on n'est pas d'accord, c'est de payer ça. Et donc voilà, je ne fais qu'appuyer et peut-être même renforcer les arguments que vous avancez. Et on doit, voilà, je crois qu'on devra faire le point régulièrement sur ce sujet-là. Et merci de nous tenir informés au fur et à mesure où les décisions seraient prises, parce que vous le saurez finalement quand même avant nous. Hein. Je remercie. Monsieur Bourmès, pour terminer. Oui, mais très très rapidement, j'assure. Je remercie Monsieur le conseiller de nous appuyer dans ce débat. Et donc, je pense qu'effectivement, on doit les frapper à toutes les portes, tous les partis, opposition comme majorité par rapport à ça, parce qu'effectivement, c'est injuste. Il n'est pas normal qu'une commune, je le répète, ait pas de chance, ça peut paraître anecdotique, prêter à sourire, mais ça fait, quand c'est 8 ou 9 millions d'euros, ça ne me fait plus rire, vous non plus. Il n'est pas anecdotique qu'une commune doive payer ce prix-là, parce que, pas de chance pour elle, toute une extension d'activité économique, d'une zone d'activité économique, se déroule sur son territoire. Et donc, je refuse effectivement la verdicte à laquelle j'ai eu droit. Mais j'assume, franchement, j'ai connu pire dans ma vie. Ma femme est pire. Je refuse ce débat où on me dit, mais tu t'opposes avec ta commune à l'extension économique de la région liégeoise. Ça, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est deux choses totalement différentes. On est bien d'accord, c'est ce que vous dites, monsieur le conseiller. Et il n'est pas normal qu'une commune paye pour avoir de l'activité économique sur son territoire. Ce n'est pas normal. On doit avoir des incitants. On doit avoir des incitants à créer de l'activité économique sur une commune et pas des décitants. C'est quoi ce bordel? C'est pas possible. Et donc là, voilà. Et donc, clairement, si vous entendez dire du mal de moi, bientôt, je parle pas d'Oupey, ça vous avez l'habitude, mais à l'extérieur, je l'assume, mais totalement. Et je ne payerai pas. Merci, monsieur le bourgmestre. Après ces différentes positions et ce débat très intéressant, voilà, nous pouvons passer, reprendre l'ordre du jour. Oui, il y en a, oui. Les réponses aux questions orales. Donc, en fait, bon, je n'étais pas là, mais j'ai pu un peu me renseigner. Je vous ai regardé en streaming. Donc, la réponse de monsieur. La réponse, vous avez déjà été apportée en séance, je pense, monsieur Pack. Donc, il n'y a pas de problème. Y a-t-il des questions orales pour ce soir? Comment? Il y a eu commission, de toute façon, oui. Il y a des questions pour ce soir? Oui. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Monsieur Pack avait levé la main relativement vite, donc c'est à vous. Allez-y, je vous en prie. Ma question concerne la crise énergétique que nous connaissons pour le moment
Et je ne peux m'empêcher de faire le lien avec le point 33 et des problèmes rencontrés par la RCA au niveau des énergies. Donc, certains conseils sont prodigués tous les jours par les médias envers les ménages afin qu'ils puissent réduire leur coût de consommation. Par exemple, diminuer la température d'un ou deux degrés. En mars-avril, nous avons eu des températures relativement clémentes, ce qui n'est pas désagréable et qui va dans le bon sens en ce qui concerne la consommation d'énergie et la réduction de la consommation d'énergie. Alors, certaines communes ont déjà pris des dispositions, certaines communes de la Basse-Meuse notamment, en réduisant, par exemple, la température dans les classes et dans les salles de sport. Alors, j'aurais voulu savoir quelles sont les dispositions qui, à l'heure actuelle, ont été prises par le collège afin de réduire la facture énergétique dans les bâtiments communaux, dans les écoles, dans les bâtiments publics et tout particulièrement dans les bâtiments sportifs. Voilà. Quelles sont les interventions à l'heure actuelle pour réduire les coûts énergétiques ? Voilà ma question. Voilà, je pense que, je présume que, de toute façon, je suis persuadé que les uns et les autres, au niveau des services communaux, restent attentifs. Alors, tout le monde gère, on ne peut plus le dire, alors, bon père de famille, cette expression ne peut pas être utilisée, mais on va dire de toute façon que la plupart des personnes essaient quand même de le gérer en bon père de famille, mais je pense qu'on vous proposera une réponse plus complète et technique lors du prochain conseil communal. Monsieur Jelas, c'est à vous. Monsieur Pack coupe son micro. Pardon. Merci. Voilà, je voudrais avoir des informations relatives au, je veux dire, à ce qui apparaît comme une modification au moins du relief du sol dans la rue vers Hermal, sur la gauche, donc en descendant au pays vers Hermal. C'est... Ça ressemble au moins à une grosse modification de relief du sol. Donc, est-ce qu'il y a un permis ? Est-ce que c'est un permis juste de modifier le relief du sol ? Est-ce qu'il y a un permis de construire en plus ? Et si permis il y a, ça mériterait quelques explications au niveau gestion des eaux, parce qu'on est déjà dans un endroit délicat. À la fois par rapport, je crois, aux eaux, à des problématiques d'eau usée en amont, et puis plus globalement, vu le dénivelé là-bas, c'est quand même pas neutre les modifications qui sont là. Et modifier le relief du sol, c'est toujours délicat en termes de responsabilité par rapport aux eaux qu'on rejette par ailleurs. Donc voilà, je connais pas le dossier, donc je vais pas me prononcer, mais ça semble pas tout à fait neutre comme travaux qui sont en cours. Donc j'aimerais un petit peu d'informations, au moins déjà de savoir s'il y a eu un permis, parce qu'au moins là, le collège doit être au courant. S'il n'y a pas eu de permis, à mon avis, le collège devrait s'en inquiéter. Bref, d'une manière ou d'une autre, le collège devrait pouvoir nous renseigner. Merci. Madame Lombardo. Oui, donc il y a bien un permis et je vous le transmettrai alors... que vous ayez toute la justification du permis. Ou alors la prochaine fois, mais je vais dire que... Je vais dire, je trouve, en tout cas, quand on pose une question en séance publique, c'est parce qu'elle est susceptible d'intéresser tout le monde. Et donc, oui, je ne demande pas mieux d'avoir le dossier, mais déjà de savoir s'il y a une construction. Je voudrais bien un peu... Ou alors vous le donnez en copie à tout le monde et il faut que... Je trouve que si je n'ai pas fait juste une question écrite pour recevoir une réponse écrite, j'aimerais connaître un petit peu... Oui, mais le permis, il est pour modifier le relief du sol uniquement ou il y a une construction ? Il
Et ok, bah alors je lirai avec attention les aspects de gestion des eaux là-bas. Quoi. Donc c'est bien permis pour la construction de maisons. On a l'idée combien de maisons vous pourriez faire? Mais Madame Lombardo va regarder, on va essayer de répondre un petit peu plus précisément. Et même ce que je n'ai pas bien compris non plus, c'est même s'il y a des constructions, généralement, on renivelle les terres excavées pour les fondations, voire les caves. Voilà. Ici, ils ont nivelé avant les constructions, avant les fondations. Donc, déjà, ça, je ne comprends pas bien. Mais bon, je lirai avec attention. Okay. Je vois qu'il y en a d'autres qui seront intéressés. Madame Le Cannes, on vous laisse le temps, hein, Madame Lombardo. Hein. Madame Le Cannes. Merci. Donc moi, c'est également concernant les factures d'énergie, mais plus particulièrement alors pour Madame Lombardo. Ça va, vous m'entendez? Ça allume? Oui, ça va. Non, c'est parce que je voyais que... Oui, non. Donc il y a une sortie presse de Monsieur Van der Mal récemment, qui est président de la Fédération des CPS de Wallonie, qui expliquait justement que les CPS se préparaient au pire face aux factures d'énergie. Effectivement, pour la commune d'Oupey, il y a eu la crise que les travailleurs des CPS et que le CPS a dû gérer la crise Covid, qui a amené une charge évidemment financière en plus, mais aussi une charge de travail pour les travailleurs. On en a discuté, qui était quand même non négligeable. Maintenant, avec l'augmentation des prix de l'énergie, c'est les gens, les habitants d'Oupey se retrouvent avec des factures qui sont exorbitantes. Pour beaucoup, en fait, je pense qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir recours au CPS. Parce que pour beaucoup, c'est malheureusement aussi des personnes qui n'ont pas l'habitude, c'est des nouveaux publics qui n'ont pas l'habitude de faire appel à la commune, aux services que le CPS peut leur fournir. Donc je voulais voir avec vous, pour que vous puissiez nous faire le point, quelle est la situation au niveau du CPS à l'heure actuelle. Est-ce que, comme M. Van der Mal le dit, il y a une augmentation des demandes? Quelle est la situation par rapport à Oupey? Et également par rapport au point que je vous dis qu'il y a un nouveau public et donc beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles peuvent avoir recours au CPS pour aider au paiement de factures ou d'une partie des factures. Est-ce que vous avez mis en place alors une explication des droits des gens? Est-ce que ça a été fait? Si pas, est-ce que vous comptez le faire? Et voilà, en gros, mes questions. Merci. Madame Lombardo. Oui, donc effectivement, il y a une augmentation des demandes. Donc, comme je l'ai expliqué l'autre fois, donc on a dû fermer un service pour renforcer ce service énergie, justement, pour faire face à cette augmentation de demandes actuellement. Par rapport à l'information, j'ai rédigé un article dans l'Écho d'Oupey pour dire justement que tout le monde pouvait venir au CPS, que ce n'était pas réservé aux personnes qui bénéficiaient d'un RIS. Je ne sais pas si ça a été bien lu. En tout cas, on a beaucoup de demandes et un public assez différent qui vient maintenant frapper à la porte du CPS. Donc j'imagine que, en tout cas, la fois est passée. Lors d'un conseil d'administration conforme aux ans, justement, ou d'un comité de direction, on a pris des mesures aussi pour essayer de donner une information, en tout cas dans les logements les plus mal isolés, pour essayer justement que ces personnes-là ne s'endettent pas ou ne se surendettent pas et qu'ils viennent nous voir directement. Donc voilà, on essaye vraiment de diffuser l'information. Je pense que ça fonctionne parce que voilà, le public s'est diversifié et on a de plus en plus de demandes. Et effectivement, ça nous fait peur aussi parce que entre la crise énergétique, la crise des Ukrainiens aussi, qui engendre aussi pas mal de boulot supplémentaire, et les coûts dont M. Ernoux a parlé tout à l'heure, et voilà, on est fort tracassés comme vous. Justement, par rapport à ces tracas, c'est quoi les retours au niveau régional et fédéral que vous avez déjà? Donc, il y a quelques initiatives qui ont été prises en soutien, mais est-ce que vous pouvez nous faire le point? Parce qu'effectivement, ça semble quand même très compliqué malgré ça. Donc, il faut savoir que quand un CPS octroie un RI,
le fédéral intervient dans ce RI, généralement, en tout cas, ou paye pour 55% ou 65% selon les conditions. Donc, le CPS, donc la commune, je dirais, intervient pour 45% du reste du RI. Ce qu'ils ont fait pour les Ukrainiens, c'est qu'au lieu de nous donner un subside de 55%, ils interviennent pour 130%. Donc, le RI d'un Ukrainien va être à 100% couvert et on va avoir un solde en plus qui va normalement nous permettre de pouvoir engager du personnel pour gérer cette crise-là. Donc, au niveau de l'Ukraine, je dirais qu'ils ont compensé par ça. On attend toujours de voir s'il y aura une augmentation du fonds de l'énergie. Donc, il faut savoir qu'on peut aider tous les citoyens par le fonds de l'énergie, qui est un fonds fédéral. Et donc là, on attend toujours pour voir s'il y aura une augmentation. Il faut savoir qu'à Oupay, on ne l'a jamais utilisé jusqu'au bout. Donc là, on est toujours en train de l'utiliser. On a toujours des marges. Et donc, pour le moment, ça va. On a aussi utilisé les aides Covid. Donc on avait des aides Covid jusqu'au 31 mars. Et donc, toutes les aides énergie... On les a mis en aide Covid pour pouvoir justement libérer le plus possible le fonds d'énergie pour pouvoir le garder jusqu'au bout. Et alors, on a aussi lancé un appel au niveau des CPS par rapport aux frais de déplacement, par exemple des aides familiales qui sont tout le temps sur la route, et pour voir si on pouvait ne pas attendre juillet, parce que le barème de taux de remboursement des frais, c'est en juillet. Et donc là, les sommes sont vraiment énormes pour des travailleurs qui n'ont pas forcément le budget adapté. Et donc, on attend toujours des réponses à ce niveau-là. Merci. Monsieur Tillon. Oui, donc ma question concerne le démantèlement du site de Chertal, où des habitants en fait sont inquiets sur l'évacuation de l'amiante. Cette problématique mérite, à notre sens, une réflexion. Est-ce que vous avez prévu de faire un retour auprès des populations concernées ? Monsieur le bourgmestre ? Ou monsieur Ernoux ? Monsieur Tillon ? Oh, pardon ! Voilà. Donc, effectivement, c'est un problème qui nous a tous tracassés dès le départ. Et il y a un comité d'accompagnement du démantèlement de Chertal qui est en place, qui est dirigé par le fonctionnaire délégué de la région Wallonne. Et nous avons été interpellés par les riverains à ce sujet. Une réunion a normalement été prévue au mois de septembre. Elle a été avancée au mois de mars, le 10 mars de mémoire, où des experts du SPF Emploi Sécurité étaient présents, ou des représentants de... je me trompe le nom, ceux qui étudient l'air... L'ICEP était présent. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup d'intervenants. Il y avait la société, évidemment, des MECOM qui était présente aussi. Et donc, là, on a pu poser toutes les questions et toutes les mesures sont vraiment prises à ce niveau-là. Et c'est une législation assez stricte qui doit être bien respectée. Et je peux vous assurer que l'SPF, SPF Emploi et Sécurité est régulièrement sur le site à ce niveau-là pour vérifier si les ouvriers sont bien outillés et bien protégés et si les riverains le sont tout autant. Voilà. Et de toute façon, il y a aussi tous les trois mois une étude de l'air qui est faite sur quatre emplacements. Donc là aussi, on aura des résultats qui nous reviendront et qui vont déjà revenir ici prochainement, puisque avant le démantèlement, on devait avoir une étude de l'air pendant trois mois. Maintenant que le démantèlement est commencé, il faut attendre maintenant trois mois, le temps à l'ICEP d'étudier toutes les données et de revenir vers nous pour nous communiquer éventuellement s'il y avait des problèmes au niveau de l'air. Voilà. Mais on est bien au courant. C'est bon, monsieur Dion. Ok, merci monsieur Ernoux. Monsieur Sohé, la parole vous revient. Merci, monsieur le Président. Moi, c'était plus une petite remarque que j'avais à faire par rapport à ce conseil communal. C'est que je trouve un peu dommage que certains partis prennent une abstention pour certains points pour lesquels ils n'ont pas pris connaissance ou ne se sont pas déplacés aux commissions ou aux réunions pour lesquelles ils sont invités. Tout simplement. Mais chacun peut prendre la position qu'il veut. La moindre des choses, c'est quand on s'engage, on va jusqu'au bout
et on ne fait pas les choses à moitié. Je vous remercie. Merci, monsieur. Voilà, c'est votre avis, monsieur. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres remarques ? Madame Lombardo me dit qu'elle a envoyé les différents éléments par mail. C'est fait concernant votre question, monsieur Joas. Ça va ? Ok. Voilà. Il reste l'approbation du projet de PV de la dernière séance, celle du 24 mars dernier. Avez-vous des remarques ou des questions concernant ce PV ? Moi, je n'y étais pas. Donc, y a-t-il quelqu'un qui s'abstient ? Qui vote contre ? C'est donc à l'unanimité. Merci. Ainsi se clôt la séance publique. Merci à toutes les personnes qui se trouvent dans le public d'être venues nous voir. Merci aux Oupéiens de nous écouter par les ondes, par le truchement.